Ça, ce vidéo-là, ça date de 1961. Une vidéo de propagande pour montrer aux citoyens soviétiques que c'est nous qui sommes la secondes. super puissance Viens. nucléaire. OK. Hey, pour non, 61, c'est bien filmé pareil. Explosion nucléaire de l'histoire. Ouais, Big Sir. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Tu te rappelles-tu où il faisait ces essais-là? Dans C'est quel dans point le de... près du pôle Nord. C'est dans les îles. Ah. Il y a plein d'îles au-dessus de l'URSS, là. Ouais. Oubliez le nom exact, là. D'une puissance de 57 mégatonnes, elle est la plus puissante bombe de l'histoire. Son onde de choc fit trois fois le tour de la Terre. Je suis pas super down d'apprendre que c'était proche du pôle Nord parce que. Tu sais, on imagine la Terre. Lorsqu'on voit le Canada et la Russie, c'est comme super loin à droite. Ouais, non, excuse, la Russie est en haut. Ouais. On se le partage. В конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Genre de sujet. Ça, c'était en 61. Maintenant, on va voir le mois passé. Je vous invite à écouter ça. Страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны. В экономической сфере я имею в виду. La guerre n'était pas déclenchée encore. Oui, oui, ça, c'est au début, début. Début, début. Высшие должностные лица. Après les sanctions. Допускают okay. агрессивные Carrément. Высказывания la première vague. Sanction. Нашей страны. Поэтому, On est au la première semaine de mars. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Okay. Ça, c'est, dans le fond, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine ces temps-ci, et moi c'est l'affaire que je voulais aborder ce soir. C'est l'ombre qu'il y a derrière cette guerre-là. C'est le contexte. Tu peux pas comprendre la guerre en Ukraine si tu comprends pas ce qu'on vient de voir à l'écran. C'est le risque d'affrontement nucléaire. C'est de ce qu'on appelle l'escalade. Poutine, dans son discours, il a dit la dissuasion. Hein? Il a utilisé le terme dissuasion. Oui. C'est l'arme nucléaire. C'est l'arme dans l'histoire dont le concept, c'est de ne pas l'utiliser. Effectivement. Perdu si tu as utilisé l'arme nucléaire. Je vois plein de gens mentionner la guerre nucléaire. Ah, ça va nous amener dans un affrontement nucléaire. Ou « Ah, il n'est pas game d'utiliser l'arme nucléaire. » Ou tu sais, il y a comme les deux versions un peu. Là. C'est constamment répété. Puis beaucoup de gens me disent ben, on n'a jamais. C'est quelque chose que nos grands-parents nous parlaient, nos parents nous parlaient de l'époque des années 50, 60, 70, puis qu'on pensait que c'était fini. T'sais. Puis il y a beaucoup de gens qui voient ça comme si c'était on n'a jamais été aussi près de l'affrontement nucléaire. Moi, ce que je veux faire ce soir, simplement, c'est une espèce de retour en arrière. Un genre de résumé de la question, puis de voir en même temps que ça arrivait souvent. On a passé proche de l'affrontement nucléaire. Puis anecdotiquement, c'est très drôle parce que dans tous les cas, c'était tout le temps le gars qui avait le pouvoir de peser sur le bouton. Mais il y avait un autre adulte dans la salle qui a dit « Fais pas ça ». Ouais, on va attendre. On va attendre. On va laisser quelqu'un d'autre. Ouais, on va se prendre une petite pause. Puis c'est arrivé plus souvent qu'on pense. C'est pas tout le temps si haut dans le chain of command qu'on pense. T'as des fois des militaires de plus bas grade qui auraient pu avoir qui avaient l'autorisation de peser sur le bouton. OK. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai ramassé pas mal de vidéos, surtout en français. Ce qu'on va faire là, c'est vraiment là, de 1942 à. Et oui, j'ai dit 42. Jusqu'à maintenant. On va passer à travers ça. J'ai coupé pas mal les coins ronds. Là. Je suis pas un expert en guerre nucléaire. Je suis juste un fervent enthousiaste de la question. Là. J'ai lu plusieurs livres là-dessus. Tous les films sur la guerre nucléaire, je les ai toutes vues. C'est très présent dans le cinéma américain, les jeux vidéo. On veut pas, on vit encore à ce que j'appelle l'âge nucléaire. C'est Oui.
Oui, regardez ça, la famille, c'est quoi, c'est la famille nucléaire? Ça se tient, ça se tient. C'est quoi que tu voulais dire, Stéphane? J'en connais qu'un seul spécialiste de la guerre nucléaire au Québec, quelqu'un qui a vraiment consacré ses recherches à ça. Il était à l'Université de Montréal, il s'appelle Michel Fortman. Il vient de publier encore récemment sur le risque de guerre nucléaire, là. C'est un de ceux qui nous a rappelé que ces machins-là existent tout le temps. Puis, je sais pas, Jason, je connais pas ton bloc de clips, mais tu dis que du cinéma, tu parlais du cinéma américain, tout ça. En fait, la dernière grande peur du nucléaire que moi je me rappelle, c'est au début des années 80 avec des films comme Day After, The Black Sun, des choses comme ça qui étaient. Threads aussi, c'était assez rough. Mais ça avait marqué, Ouais. oui, Thread, oui. Et ça avait marqué comme la dernière vague de peur avant que ça cède la place à autre chose, là, t'sais. Avant que l'arme nucléaire devienne en fait une solution. Parce que le Ouais. cinéma des années 80, la fin des années 80, début des années 90, il y a même un gag, là, c'est est-ce qu'il y a une explosion nucléaire à la fin du film? On pense à Armageddon, Independence Day, Ouais. où là, c'était un trope de l'arme nucléaire save the day, tu sais, contre Ben les oui, aliens, contre la c'est la chose météorite. la plus puissante, fait que ça peut tasser tous les méchants monstres. Ouais. Mais bon, je ne toucherai pas à l'aspect cinéma. Je me suis plus contenté là, sur l'aspect informatif. Puis à la fin, on va regarder, ça s'appelle le plan A. C'est une simulation faite par le Princeton University de quoi une guerre nucléaire aurait de l'air en 2022. OK. Ça va être un chouette petit vidéo qui va vous pas vous ça va pas vous aider à dormir ce soir. Oh. Oh, la machine. C'est parti. Donc, ce qu'on a ici, c'est ça s'appelle le Line of Contact. C'est l'Europe le 8 mai. En fait, c'est le 10 mai 1945. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On identifie souvent le début de la guerre froide, le début de l'âge nucléaire avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La raison pourquoi j'ai voulu mettre cette carte-là à l'écran, il appelle ça le Line of Contact. Vous voyez les flèches là? C'est dans le fond, tu as l'armée soviétique, toutes ses avances à partir de l'URSS à travers l'Allemagne nazie. Et tu as la même chose là. Vous voyez les flèches qui commencent en Normandie, hein, Oui. dans le sud de la France, jusqu'à travers l'Allemagne. Les bouts de bleu, c'est ce qui restait encore nazi à leur édition. OK. Donc, Staline, qui est le dirigeant de l'URSS à l'époque, c'est un peu son. Ils ont tellement perdu. Je le répète souvent, là, ils ont tellement perdu de monde puis de destruction, l'URSS. C'est 20 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'ils sont obsédés à avoir une défense contre toute agression future de l'Europe. Puis leur armée qui occupe la moitié de l'Europe, ben, ils vont les laisser là. C'est vraiment comme ça que le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, va être divisé. C'est où ce que les tanks russes et les tanks américains se sont arrêtés. Les Où ils se sont tanks. rencontrés, genre, hey, c'est capoté, Ouais. ça, pareil. C'est ça, le line of contact. Ouais. Ça va un peu bouger. Là, il va y avoir des négociations, notamment tous les tanks russes qui étaient en Autriche vont se retirer. Il y a un bout de l'Europe, de Berlin-Ouest, qui va être redonné aux Alliés. Puis c'est comme si c'est ça qui va diviser Berlin en deux. OK. Mais grosso modo, c'est pas mal resté pareil que ce que vous voyez à l'écran jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89. OK. Donc, c'est cette espèce de début là, d'affrontement. Au début, Staline, ce qu'il cherche, c'est l'apaisement. Il pense qu'il est encore allié avec les Américains, puis les Anglais, puis les Français, les méchants capitalistes. Parce qu'il se dit, comme on est les deux bords affaiblis par la Deuxième Guerre mondiale, et il y a encore moyen à coopération. Moi, de toute façon, j'ai mon. Il appelait ça les glacis, là, mon tampon, qui est dans le fond, tu sais, toute l'Allemagne, la Pologne, ces choses-là. Ils se disaient, même s'ils prennent des bombardiers, ils ont pas, ils ont, on est avant la révélation de la bombe atomique, là. Ouais. Ils ont pas les forces de frappe pour me déranger. J'ai le gros bout du bâton. Les forces soviétiques étaient deux fois plus nombreuses que les forces américaines et anglaises. Donc, dans une guerre conventionnelle, Bon, t'as le certains high ground, théorisent qu'ils l'auraient gagné, là. Ouais, les ouais, 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 ouais. soviétiques. Moi, je suis pas d'accord avec cette interprétation-là pour de multiples raisons, là, parce que c'était quand même vide un peu de l'intérieur, là. Il y avait beaucoup des grosses troupes, mais elles sont toutes essoufflées, tu sais. Je Ouais. pense que tu es d'accord avec mon analyse, Stéphane, là-dessus.
Pardon, moi jusqu'à là, ça va très très bien. Bon, parfait. Stéphane, c'est mon fact-checker ce soir. Fait que quand je dis des conneries, il va peser sa sonnette. Ça, maman, que c'est cool. Tantôt, tu as dit 10 mai alors que c'est 8 mai. Mais c'est la, me semble la map, c'est écrit 10. Je sais que la fin de la guerre, c'est le 8 mai, mais je pense que la... Le 9, là, je le vois mal à l'écran, mais il me semble que j'avais sauvegardé, ça disait 10 mai. Ben oui, effectivement, la réédition allemande, c'est le 8 mai. Mais la raison pourquoi je voulais montrer cette map-là, c'est vraiment comme ça que la guerre froide commence. Ouais, c'est le board, là, quand on commence la game d'Axis Analyse, là, c'est ça. Exactement, le board. Exactement. Ouais. Puis les deux bases se mettent à paranoïer. Hein. Vous vous rappelez quand je vous parlais le télégramme de George Kennan? Ouais. Parce qu'au sein de cette carte-là, t'as beaucoup d'incertitudes. Dans l'année suivante, en France puis en Italie, les partis communistes vont finir deuxième aux élections. Ça brasse en Grèce. Les Soviétiques eux-mêmes, ils vont devoir renverser leur propre parti communiste en Tchécoslovaquie parce qu'ils se mettent à être un petit peu trop chambranlants, tu sais, Ah ouais, peut-être qu'on va pas faire ce que tu nous demandes, Staline. Tu sais, comme il y a comme une espèce de pseudo-coup d'État en Tchécoslovaquie un ou deux ans après. T'as la même chose en Yougoslavie. Tito, en Yougoslavie, il va dire « Moi, je deviens un non-aligné ». En Ukraine, j'en ai parlé souvent, tu as des révoltes nationalistes en Ukraine contre l'occupation soviétique. Ils sont un peu là, les ancêtres là, du mouvement de résistance là, qu'on voit en 2022. Ouais. Donc, tu sais, comme ça alimente cette espèce de paranoïa là, puis de sentiment de l'autre bord essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. T'sais. Ouais. Staline est au courant, grâce à ses espions, que. Les Américains ont un as dans leur manche. Comment ils ont su ça? Passe à la slide suivante. Oui, un as, hein, parce que là, ça peut prendre plein de formes. Là. Ouais. On va voir ce qui s'en vient. À partir de 1939, les espions soviétiques aux États-Unis, ils faisaient beaucoup d'espionnage industriel, notamment sur toutes les questions de physique nucléaire, ces choses-là. Fait que, tu sais, ils étaient beaucoup infiltrés dans les universités, les chaires de recherche. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que tous les éminents professeurs travaillaient sur toute la question nucléaire. Tu sais, c'était juste de la théorie, là. C'était du Albert Einstein et compagnie, là. Ouais. Ils avaient soudainement, ils avaient pas mal tout en même temps arrêté de donner des cours pour faire des publications. T'as un indice qu'il se passe quelque chose, là. Il se passe de quoi de vraiment bizarre? Ouais. Puis, dans le fond, c'est les Américains avaient il y avait des indices que les nazis poursuivaient l'arme atomique, qui se sont dit il faut qu'on la découvre avant eux parce qu'eux, ils n'auront aucun shame à l'utiliser. Fait à partir de 1939, mais c'est surtout à partir de 1942 que c'est vraiment enclenché. C'est le Manhattan Project. Hein, okay. Vous avez sûrement entendu ce nom-là souvent. Oui. Ça a fait des excellents romans. C'est dans le fond, c'est le programme militaire américain pour développer l'arme atomique. Puis comme vous voyez, il y avait plusieurs laboratoires, usines à travers les États-Unis là, d'un bout à l'autre. En dollars d'aujourd'hui, j'ai vu, ils ont fait comme le calcul avec l'inflation, là. C'est une trentaine de milliards. C'est un des plus gros projets de recherche accélérée qui a jamais été fait, là. Même par rapport à ce qu'on a fait pour le COVID à l'échelle mondiale, le projet Manhattan, c'est colossal là, comme truc. C'est le débarquement de Normandie de la science. Ouais. Et vraiment, c'est on va développer une bombe atomique, puis ils réussissent à la faire exploser la première à Los Alamos, le fameux Test Trinity en juillet 1945. Staline était tout au courant de ça parce que ses services secrets, le GRU, le GRU, la branche militaire, on pense souvent que c'est juste le KGB, là, mais l'URSS, ça s'appelle le GRU, qui était leur... c'est comme leur espion à l'étranger, là, avait infiltré pas mal tous les sites que tu vois sur la carte-là. On va maintenant aller voir une vidéo que j'ai trouvé vraiment chouette, faite par le journal Le Monde, qui retrace là, le projet Manhattan et surtout comment ça marche une bombe nucléaire. Vas-y, pay supplé. Comment ça marche une bombe nucléaire? Je pense que je n'ai trouvé une dans mon garage. Veux-tu de la... Je sais pas, mais tu ne pèses pas sur le bouton. À 5h29 du matin, dans le désert du Nouveau-Mexique, il se passe ceci. La bombe atomique est née. La suite de l'aventure atomique, on la connaît.
En août 1945, les Américains bombardent le Japon et mettent fin à la Seconde Guerre mondiale. Quelques années plus tard, l'URSS fabrique sa propre bombe atomique et impose sa puissance. Les États-Unis répondent en mettant au point la bombe à hydrogène, puis les Soviétiques surenchérissent et font sauter la plus grosse bombe nucléaire de toute l'histoire. Bref, pendant toute la guerre froide, les Américains et les Russes jouent à qui aura la plus grosse et l'humanité tout entière est terrifiée. Mais alors, comment en est-on arrivé à une telle puissance de destruction? Comment des petits bouts de plutonium de la taille d'une boule de Noël peuvent-ils faire autant de dégâts? En d'autres termes, comment fonctionnent les bombes nucléaires? Pour comprendre la puissance de la bombe atomique, il faut avant tout s'intéresser à l'atome. Logique. Prenez des notes, pour faire simple, vous allez pouvoir les atomes sont de toutes petites choses qu'on trouve à peu près partout autour de nous. Une fois assemblés entre eux, ils constituent la matière. Une pomme, une tasse à café, un petit chat ou des poils de barbe sont tous composés de différents atomes. Quand on regarde de très près, un atome ressemble à sept choses. Il y a un noyau composé de neutrons et de protons et des électrons qui gravitent autour. Les électrons ont une charge électrique négative, les protons une charge positive. Et les neutrons assurent la cohésion du noyau malgré les charges positives qui se repoussent. Enfin, l'addition des protons et des neutrons constitue la masse de l'atome. Cet atome d'hélium, par exemple, a une masse d'à peu près 4, ce qui est plutôt léger. L'idée de la première bombe atomique, la bombe A, va être d'utiliser la fission nucléaire, c'est-à-dire de casser les atomes. Pour cela, il faut utiliser un atome très lourd, en l'occurrence de l'uranium-235, qui est une version de l'uranium très rare dans la nature et qui a donc une masse de 235, ce qui est très lourd pour un atome. On peut aussi utiliser du plutonium fabriqué à partir de l'uranium. L'idée est donc de casser cet atome en projetant des neutrons sur son noyau. Cette cassure est d'autant plus violente que les charges positives des deux nouveaux noyaux se repoussent. Ce mouvement très vif génère alors une très grande quantité d'énergie. Mais ce n'est pas tout. La fission du noyau libère des neutrons qui, à leur tour, cassent les atomes d'à côté, etc., etc., etc. Cette réaction en chaîne est la clé pour générer une grande quantité d'énergie, beaucoup de chaleur, un effet de souffle et des retombées radioactives. Une fois maîtrisés les mécanismes de fission et de réaction en chaîne, il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. Cela donne la bombe A, la toute première bombe atomique. Dans le cas de Little Boy, la bombe larguée sur Hiroshima, c'est assez simple. Une charge explosive projette un bloc d'uranium-235 vers un autre. Sous le choc, les atomes se cassent, il y a réaction en chaîne, et voilà le résultat. J'ai jamais compris, c'est comment t'arrêtes la réaction en chaîne. La bombe larguée sur Nagasaki, l'assemblage est plus complexe. Des explosifs sont disposés tout autour d'une boule de plutonium, ils explosent exactement en même temps, et sous la pression, les atomes se cassent. On fait le premier test et on va théoriser qu'il n'était pas sûr que ça allait arrêter. C'est ça part, ça arrête fort, plus. Là. Beaucoup plus fort. Dans les années 50, les scientifiques mettent au point la bombe H. Son immense puissance repose cette fois-ci sur la fusion des atomes, c'est-à-dire l'union de deux noyaux en un seul. Pour y parvenir, il faut recourir aux atomes d'hydrogène, qui sont les plus légers. En réalité, on utilise des versions un peu plus lourdes de l'hydrogène, à savoir du deutérium et du tritium. On les salue. Lors d'un processus de fusion, ces deux atomes vont se souder pour former un atome d'hélium. Au cours du processus de stabilisation du nouveau noyau, des particules vont s'échapper. L'atome ainsi créé sera alors plus léger que ceux d'origine et ce différentiel de masse va entraîner la production d'une grande quantité d'énergie. Plus le nombre de fusions sera grand, plus la puissance dégagée sera forte. Pour se donner une idée, le Soleil, qui nous chauffe à 150 millions de kilomètres, tire son énergie de la fusion des atomes. Le principe de la bombe H est donc de reproduire ce phénomène. Le problème, c'est que la fusion des atomes nécessite une forte pression et une très grande chaleur, aux alentours de 100 millions de degrés. Du coup, en guise d'allumette pour la bombe H, on utilise une bombe A. Hein ? Voilà à quoi ça ressemble. Au premier étage, on retrouve un modèle de bombe A classique. Sa fission génère une grande chaleur et projette des rayons X qui rebondissent sur les parois et frappent le deuxième étage. Sous la pression, un deuxième morceau de plutonium entame sa fission. Le combustible de fusion, qui se trouve ici, est compressé. Et c'est à ce moment-là que les atomes de deutérium et de tritium fusionnent.
Enfin, les neutrons dégagés déclenchent une nouvelle fission dans l'enveloppe d'uranium. Le tout explose en quelques nanosecondes. Tabarnak, hein? Pour se faire l'idée de l'évolution de la puissance nucléaire à travers les âges, prenons ce tout petit rectangle rouge à gauche de l'écran. Il représente la bombe d'Hiroshima, d'une puissance de 15 kilotonnes, ce qui équivaut à 15 000 kilos de TNT. La première bombe soviétique est à peine deux fois plus puissante, mais avec l'arrivée de la bombe H, on passe à 10 mégatonnes, soit 10 millions de kilos de TNT. Et puis, les Russes battent tous les records avec la Tsar Bomba de près de 50 mégatonnes. C'est plus de 3 000 fois Hiroshima. Notre segment. Alors évidemment, toute cette puissance a quelque chose de terrifiant. Et même si les armes atomiques sont moins nombreuses aujourd'hui, elles continuent de faire peur. Pourtant, il faut savoir que dans un sens, la fusion nucléaire représente l'avenir de l'énergie. Des chercheurs du monde entier tentent actuellement de concevoir un réacteur capable de canaliser la puissance de la fusion. Avec très peu de matière, un tel engin permettrait de produire d'immenses quantités d'électricité. À titre d'exemple, l'hydrogène contenu dans un seul litre d'eau de mer pourrait produire autant d'énergie que 5 barils de pétrole. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Bon, maintenant, allez voir, peu de gens savent, mais le Canada était très impliqué dans le projet Manhattan. J'ai trouvé un petit truc. Mon Canada! L'invention de la bombe atomique a été un moment fort de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, peu de Canadiens savent que le pays a été un acteur déterminant dans le projet Manhattan qui visait la production d'armes nucléaires pour les États-Unis. Attends, Tommy, tu n'aurais jamais imaginé Laurent chez vous. Hey, hein? Ben, il était supposé venir à 70% à la dernière, il est super populaire. Près du Grand Lac de l'Ours, dans les territoires du Nord-Ouest. Les aides qui est encore game. Au premier ministre canadien, Mackenzie King, de faire l'acquisition de cette ressource rare à l'été 1942. Toujours dans le plus grand secret, l'exploitation commence la même année. Le gouvernement conclut ensuite un marché avec la Grande-Bretagne notre pour uranium. Le laboratoire nucléaire de Cambridge mon uranium, mon choix. Jusqu'au Canada. Il est réaménagé à Chalk River, en Ontario. Et c'est par l'intermédiaire de ce laboratoire que le Canada va prendre part au projet Manhattan. On y construit un réacteur dans le but de prouver qu'il est possible de créer et de soutenir la fission nucléaire en utilisant de l'uranium pur et de l'eau lourde. De plus, le laboratoire démontre qu'il est possible de produire du plutonium pour les armes militaires des Alliés. Bien que le réacteur nucléaire de Chalk River ne sera opérationnel qu'après la capitulation du Japon, les bombes atomiques de Nagasaki et d'Hiroshima contenaient de l'uranium qui avait été prélevé au Canada. Néanmoins, le Canada n'a pas participé directement à la production de ces bombes. Faudrait voir les sources de Laurent. Le projet Manhattan prend fin en 1946. Et le laboratoire de Chalk River continue de faire des recherches sur l'uranium, mais cette fois dans les domaines de la médecine et de l'industrie. Le laboratoire existe encore aujourd'hui. Adéquat. Adéquat, j'aime ça. Veux-tu m'envoyer ta canette vide ou le cendrier? Aïe, aïe, aïe. Un vrai cendrier. Le Cendrier. Comparaison, tantôt, il parlait de centaines de milliers de kilotonnes, de je ne sais plus combien, quand tu parles même des premières bombes. Par comparaison, en fait, la plus grosse explosion d'origine humaine non nucléaire, c'est dans le port d'Halifax en 1917. Ah, ben oui, le bateau de munitions, là. Le Mont Blanc qui explose, qui était de 3000 tonnes de TNT, l'équivalent de 3000 tonnes de TNT. C'était suffisant pour ravager la ville. C'est rien comparé à ce que les Américains et les Russes vont faire. T'sais. Ouais, ouais, ouais. À Beyrouth, on estime, Beyrouth, il y a deux ans, là, on estime que c'est environ 1500 tonnes. OK. Fait que c'est déjà plus petit que ce qui est arrivé à Halifax, puis tout ça. Ouais. C'est beaucoup plus petit que la Tsar Bomba, puis les autres petites juniors. On n'est pas dans les mêmes ligues, là. C'est des pibouis à côté des... Je savais pas c'était quoi la bombache. Content de... En tout cas, ils ont crissé des cerveaux là-dessus, hein, pareil. J'avais déjà entendu le nom.
les initiales. Ce qu'on voit à l'écran, c'est... Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, Tommy, je vous avais parlé de la conférence de Potsdam. C'est quand que les leaders se sont rencontrés. Ouais, la photo de la table d'en haut. Là. C'est diviser le monde. Là. Ouais, ouais, ouais. Là, ce qu'on voit, bon, il y a Staline hein, qui, avec sa traditionnelle cigarette. Il paraît que c'était un gros chain smoker. Puis Truman, qui était le président américain. Et je ne vais pas parler du gars que j'ai ajouté à droite tout de suite. Ben, en fait, oui, je vais en parler tout de suite. C'est que Truman annonce pendant la conférence, hein, sont en train de se diviser le monde. Là, ça va, de quoi ça va avoir de l'air à ce moment-là, on est en juillet 45, l'Allemagne nazie s'est déjà rendue. Oui. C'est passé à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Là. Oui. Bon, tu sais, comment qu'on s'arrange à cette heure? C'est les débuts des négociations là, de ce qui va devenir le partage du monde, là, l'ONU, le nouvel ordre mondial, appelons ça comme ça. OK. Puis Truman annonce à Staline qu'ils ont fait l'essai Trinity, hein, la première explosion atomique dans la même semaine. Et Staline est déjà au courant. Parce que le gars qu'on voit à droite, c'est le Klaus Fuchs. C'est probablement pas comme ça que ça se prononce, mais mon allemand est exécrable. C'est F-U-C-H. Je pense que c'est Fuchs. J'aime croire que c'est Fox, mais... Ouais. Voilà. Lui, c'était un mathématicien, c'était un espion soviétique, et il travaillait directement sur dans le laboratoire. C'est lui qui a fait les calculs mathématiques des premières bombes atomiques américaines. Okay. Et il fournissait tous ses calculs, puis tout ce qu'il apprenait. Mon point, c'est que... Tu ne pouvais pas être plus infiltré que ça, là. Tu ne peux pas être plus proche, là. C'est ça. Genre, ce gars-là était là quand ils ont explosé la première bombe atomique. Il faisait partie de l'équipe que c'était leur job de la faire détonner. Là. Fait que c'est les espions soviétiques étaient creux, là. Oui. Puis, il y en avait beaucoup. En tout, là, ils appellent, il y a un article sur Wikipédia, là, c'est Atomic Spies. Vous irez lire ça, c'est rapide. Il y en a même qui continuent à en découvrir de nos jours. Il y a une madame, là, elle s'appelait Melita Norwood. Ils ont seulement découvert en 1999 okay. qu'elle était... qu'elle était une espionne soviétique pendant tout ce temps. Okay. Puis elle avait travaillé là, sur le projet Manhattan. Fait que, il y avait des espions partout. Fait que les Soviétiques étaient au courant. Ils étaient capables de... Ils avaient leur propre programme nucléaire. C'est seulement qu'ils ne savaient pas que les Américains l'auraient développé aussi vite. Et... dans le fond, quand il y a eu les bombes sur le Japon, là, Staline il a donné l'ordre à tout son monde... Ça, c'est maintenant la priorité numéro un de l'URSS, c'est de développer notre propre arsenal nucléaire. Et ils ont utilisé notamment là, les fameux goulags, hein, les prisonniers politiques. Ils les mettaient à travailler pour creuser l'uranium. Ben il y oui. en a beaucoup qui sont morts. Il paraît que, là, que c'est vraiment plus... Nucléairement, c'est une plus grosse catastrophe que... ça a tué plus de monde que Tchernobyl. OK. Donc ça, c'est pendant là, les quatre années qui ont suivi. Là, c'est seulement en 1949 qu'ils ont réussi à détonner leur première bombe. C'est ce que excuse-moi, on comprend d'établir l'équilibre. Ben oui, ben c'est ça. C'est là-dessus que je veux revenir parce que au début, tu nous as dit qu'ils ont dit vite, faut trouver la bombe atomique avant que les Allemands la découvrent. Mais de ce qu'on sait, ils ne l'avaient pas découverte pantoute. Fait que c'est comme. Ils étaient capables de la construire. Genre. Fait que ça veut dire qu'ils avaient peur d'un démon, puis là, ils ont créé le démon, puis là, après ça, tout le monde le voulait. Genre, c'est une peur que c'est comme. Je trouve ça assez particulier. Oppenheimer, qui était le scientifique en chef du projet Manhattan, là, il a dit on a créé le destructeur de monde. Oui. La phrase qui est souvent citée. I have become death, destroyer of worlds. Ah, oui. Ouais. Et Dan Carlin avait fait un excellent podcast sur ce sujet-là. Vous irez écouter ça. Mais bon, tu sais, les Soviétiques, ils embrayent là, assez vite pour rétablir l'équilibre. Passe à la slide suivante. Ben surtout s'il y avait déjà du monde qui travaillait là-dessus. Ça... Oh, oui, non, mais... V'là mes calculs, ça marche, je viens d'envoyer une pétée. Bon, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure, Laurent, de comment l'URSS, la Russie est proche du Canada. Ben oui, on est collé. Moi, j'adore cette carte-là. Il y a pas ça, le circumpolaire, là. Très vite, là, ils se sont aperçus que c'était de développer les capacités pour amener la bombe nucléaire par-dessus le pôle Nord jusque chez l'autre.
Les Américains avaient un avantage parce qu'il y avait des bases en Turquie puis en Europe. Ben oui. Alors que les Soviétiques, ils devaient faire le long run pour se rendre jusqu'aux Américains. Éventuellement, oui, je sais, tu es en train d'encercler Cuba avec ta souris. Là. Ouais. Mais on n'est pas là encore. Là, on reste dans les années 50. Là, suivant j'ai raison pareil. Grande. J'ai raison pareil. Non, lâche. Lâche, JFK, bon, on n'est pas là. Passe au suivant. Bébé ou cochon. There ain't no mais vous avez noté hein, qu'il n'y a pas de frontière commune, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Même dans l'océan Arctique, il n'y a pas de... Les territoires russes et canadiens ne se touchent pas et de très loin. On parle de Non, mais la frontière est dans l'océan. Mais là, pareil. Ben, même pas. En fait, il y a un grand bout d'océan qui appartient à personne, comme l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique. Ouais, c'est ça. On est quand même un peu collé. C'est 20 000 autour des côtes, une affaire de même. Là, mais ouais. Je pense qu'on peut être inquiet pareil, mais bon. Ouais. C'est long à pagayer ça, c'est long pareil. On va écouter les experts, je pense, à ce moment-ci. Ouais, ton ressenti... ressenti. Ouais, c'est ça. Mais je ne suis pas en train Fait que ça, c'est quoi, ça? C'est des dildos? Les premières tentatives, là, tu sais, une bombe nucléaire, il faut que tu la transportes, hein. L'avion qu'on voit à gauche, c'est le B-29. C'est ça qui a acheté les bombes sur le Japon. OK. Et éventuellement, qui est devenu, comme le dans les débuts, là, le bombardier type qui va servir à nucléiser l'URSS, si on doit le faire. OK. Et les Soviétiques, comme j'ai dit, avaient des espions partout. Et aussi, ils avaient réussi à récupérer des carcasses de cet avion-là qui étaient tombées en Asie là, en bombardant le Japon. Fait que les Soviétiques utilisaient le même. Ils avaient rétrofité le B-29 américain. Ils avaient fait leur propre version à eux, qui est le TU, je ne sais plus quel, là. C'est incroyable des mélanges, les deux. Là. C'est comme une copie conforme. Là. Oui, c'est ça, ils sont pareils. Là. La Russie les a glad elle-malée. Et les Américains, après ça, ils sont allés dans le gigantisme. C'est pour ça que je tenais à mettre cette photo-là. C'est le B-36 qu'on voit à droite, qui est le successeur de l'autre qu'on voit à gauche. Ben là, c'est pas si gros que ça. Dans le fond, cet avion-là, il était designé pour... Il y a 6 moteurs. Hein, ouais, c'est quand même. Ouais, c'est pour aller loin et longtemps, là. Il pouvait être 48 heures dans les airs. Ah, t'as Birchnagger Knack. Ouais, puis la je me souviens bien, il y a un nom très sympathique, un surnom très sympathique aussi, cet avion-là. Peacemaker. Oui. Le faveur de paix. Je vais imposer la paix, ça va me faire plaisir. Dans le fond, la gimmick, c'était que tu veux tout le temps avoir un avion qui est prêt à aller apporter la bombe nucléaire si tu t'en fais donner l'ordre. C'était le concept derrière cet avion-là. Okay. Mais comme j'ai dit, les Américains ils étaient avantagés parce qu'il y avait des bases plus proches de l'URSS. Si tu passes à la slide suivante, on va voir... Puis là, on n'est pas encore, parce que les bombes, à cette heure, les bombes nucléaires, on ne voit pas ça dans un avion, on voit ça sur le bout d'un missile. Oui, on n'est pas encore là. C'est ça, fallait aller apporter. Là. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'en mettre 8 dans un avion non plus. Là. D'habitude, tu vas en porter une, puis... On peut se parler les après. Les Russes ont développé le TU-95. On le salue. On parlait le pôle Nord tantôt, comment c'est loin. Là. Ouais. Ça, c'est leur concept. Vous voyez, c'est des doubles hélices. Là. Dans le fond, il y a 16 hélices. Oui, OK. C'est ce qu'ils ont voulu développer, c'est ce qui était important pour eux, c'était la portée, la longue distance et la vitesse. Dans le fond, cet avion-là était capable de partir de l'URSS et de se rendre jusqu'aux États-Unis. En passant par le pôle Nord, puis les Soviétiques, ils l'ont testé en 1950, parce que c'était très théorique, là. Oui. Ils l'ont testé pour vrai en 1959, quand que Khrouchtchev, le président de l'URSS, est venu en visite diplomatique, puis il n'a pas fait sa visite diplomatique dans un avion civil. C'était pour tester les capacités de leur avion nucléaire. Ah, oh, c'est bon, ça! Attends, il est venu avec cet avion-là. L'avion sent les bombes, on s'entend, mais il a pris l'avion, puis il est passé par le pôle Nord. Wow! Oui. Je ne sais pas si ce vol-là il est passé par le pôle Nord ou par l'océan Atlantique, mais je sais qu'il a prouvé que l'avion pouvait décoller de l'URSS puis aller dropper une bombe sur New York sans problème. Voilà. Tu peux passer par un des deux océans, mais il y a le froid du pôle Nord. Tu mets ton diplomate là-dedans, ça fait quand même punch. Là, tu passes dans les journaux, il y a une valeur, spectacle. Que vous voyez à l'écran en moins de 10 ans, cet avion-là, c'est lancé en 1952. Est toujours utilisé de nos jours. Il est encore dans l'arsenal soviétique. Celui qu'on a vu qui droppait la bombe de sort au début de mon segment
Et c'est utilisé, c'est le fameux avion là, qui vient tout le temps écœurer les Américains au-dessus de l'Alaska. Ouais, ok, ouais. C'est celui qu'ils appellent le bear, là, l'ours. Okay. Le point pourquoi je voulais montrer les avions, c'est que c'est contrairement à d'autres types d'armes, les armes atomiques, on va voir tantôt là, pourquoi il y a autant de têtes nucléaires disponibles dans le monde. T'sais, on dit que c'est des dizaines de milliers. Là. Ouais. Il n'y a pas tous les systèmes qui sont mis au rencard. Je comprends. Il réutilise beaucoup des vieilles affaires. Fait que les TU-95 ouais. sont encore capables. À cette heure, c'est que les affaires rouges que tu vois en dessous, c'est des missiles de croisière. Là. OK. Tu peux mettre une tête nucléaire. Ouais, c'est drôle, là, d'une main. De croisière, le fun. Mais c'est pas, tu sais, c'est plus des bombes, mais c'est encore un avion qui a 70 ans. Je comprends. Passe au suivant. On est mais les Russes sont quand même réputés pour utiliser. Ouais. Encore des vieilles machines, puis je veux dire... Les Américains utilisent encore le B-52. C'est le prochain que j'y arrivais. La réponse au TU-95, c'était le B-52 américain. Ça, vous l'avez vu à TV souvent. Là. Ça a été utilisé en Irak, ça a été utilisé en Vietnam. Vous écoutez le film Doctor Strangelove de Kubrick, ouais. C'est cet avion-là. Je pensais que c'était un B-52 pour Hiroshima. C'était pas un B-52. Non, c'est le B-29, c'est sûr que j'ai montré. Ouais, c'est celui qu'on a vu tantôt. J'étais sûr que c'était un B-52. Le B-52, il est dans le nom, là. Il était entré en service en 52. Carrément. Okay, ouais. Début des années 50, et ils sont encore utilisés en 2022 pour des. Surtout du bombardement conventionnel, là. J'ai dit Irak. Conventionnel, sacrement. Moi, tu dis. Faut que tu mettes de l'huile de temps en temps pour que ça vole encore, là. Mais il vole encore. Oui, wow, ouais. C'est les mêmes vieux, là. C'est ouais. Il patch, puis ça vole. Ouais. Tu vois des bouts de tape, là, qui dépassent des fois, là. Ouais, c'est tape, ça. Mets-y une coupe de rivet, puis on va y aller. Fait qu'on poursuit. Le Canada, tu es impliqué là-dedans. Je voulais juste montrer comment s'était fait la guerre nucléaire au début. Oui, voilà. On allait l'apporter. La réponse à ça, puis ça, Stéphane, tu vas aimer ce segment-là, c'est que là, on s'est mis à développer là, des systèmes d'alerte. Quand on dit le NORAD, oui. Le North voyons, j'ai un blanc de mémoire sur le North American Aerospace Defense Command. Ouais, c'est ça. Bon, donc, il y a eu... Tu sais, comme j'ai dit, les avions venaient du pôle Nord, fait qu'ils ont installé des lignes de radar qu'on voit à droite. Là, il y a le Pine Tree. Au début, c'était le Pine Tree au début des années 50 qui suivait la frontière avec le Canada. Okay. Après ça, le Canada a dit oh, ouais, vous pouvez construire chez nous. Ils ont fait le Mid-Canada et éventuellement, ils ont fait le Dew Line qui est complètement en haut. J'adore comment le Groenland. Ça, c'est juste comme des radars comme on voit sur les images à droite là, qui sont éparpillés. Mais le Groenland a l'air d'un petit tapon de rien. C'est pas mal plus gros que ça. Ah, non, ben justement, c'est... au contraire, le Groenland, on le voit toujours plus gros que ce qu'il a l'air. Ouais, parce que ben, c'est oui. Toujours une question de... C'est toujours une question... On va laisser les experts... De prise de vue. De projection. Eh bien, juste pour revenir sur les lignes qu'on voit sur la carte, vous voyez, ça passe à travers le Québec. Il ouais. Y a encore, on en avait au Québec la Macasa qui était pas loin, en fait, dans les Laurentides. Il y avait Sainte-Terre en Abitibi. Je pense qu'il y avait 7 ou 8 radars au Québec. Il y en a un qui faisait des raves dans les années 2000. Oh. Oui. C'était désaffecté, là. J'ai oublié le nom, mais il y avait une place de radar du NORAD qui ne servait plus. Il avait été vendu au privé. Ou OSBL peut-être là. OK. Je sais qu'ils faisaient des raves dans la bâtisse. Genre, on va faire de la pile à côté du radar. C'est capoté, ouais. Ça. Hey, messieurs, j'aimerais ça qu'on dise bonjour à la gang du jeu, c'est oui, sérieux, la gang de Laurent. T'as-tu gagné? T'as-tu perdu? Qu'est-ce qui se passait, Giz? Et il y a Radio Talbot qui est avec nous aussi. Hein. Quel ouais. Sympathique gaillard. Le là, pape de ce qu'on est en train de faire ici, allez lui donner un follow si c'est pas encore fait. La Bédouzon, es-tu pas frisé comme ça pour vrai? On est en train de savourer... Radio Talbot? Oui, Radio Talbot, de Denis Talbot. On est en train de savourer, en fait, un résumé monté par Jason Keyes, qui a fait sa maîtrise en Bloc de l'Est, on pourrait dire, et prof Steph Roussel, quel sympathique et très knowledgeable personne. Essayez de le googler, des fois, il parle avec des personnes en habit sérieux.
Donc là, ils sont avec nous pour discuter un petit peu sur la crise en Ukraine présentement, la guerre en Ukraine, on va l'appeler ce que c'est. Ouais. Et Jason a décidé aujourd'hui de nous faire un petit bloc sur l'évolution de la guerre nucléaire. Hein. On est très dans le technique. On a même vu comment qu'une bombe se faisait, comment que les explosions se faisaient. Là, on voit qu'à cette époque-là, il fallait que tu ailles porter la bombe à l'autre. Tu pouvais peut-être lui m'aller. Là. Peut-être que dans ce temps-là, il ne savait pas. Net enregistré, les radars, t'interceptent. Ouais. Tu peux passer à la slide suivante. Oui, avec grand plaisir. Ça, vous avez vu ça. C'est sûr que tout le monde a déjà vu ça à quelque part, la slide suivante. Écoute, il y a des jeux vidéo qui ont été faits là-dessus. C'est le fameux DEFCON. Ah. Dans le fond, c'est la version du Royaume-Uni là, la version US utilise des numéros, puis la version UK c'est très british, hein, utilise des mots là. Ouais. ça part de 5. 5, c'est normal. Tu sais, on est en peacetime. Ouais. Puis 1, on est en train de se tirer dessus avec des armes nucléaires. Et tu te promènes, dans le fond, là, tu te promènes tout le temps au gré des événements entre le 5 et le 1. Moi, j'aimais bien l'historien John Keegan qui disait que le premier rôle d'un président américain, c'est de garder DEFCON à 5. C'est sûr. Ouais. Surtout dans les années, mettons, de la guerre froide, comme dans le bon vieux temps. Dans toutes les années. C'est pas souvent. Voyons, à DEFCON 3, c'est le 11 septembre 2001. Okay. La guerre du Yom Kippour, que je vais parler tout à l'heure, okay. Rapidement. La seule fois qu'on est allé à DEFCON 2, c'est la crise des missiles de Cuba en 62, qu'on va aussi parler. Il est impossible de savoir au moment présent où est-ce qu'on est. C'est pas quelque chose qui est public. Ah, ils comme là, disent la guerre en plus Ukraine, tard, on sait pas sur quel DEFCON. Okay. Ben, ils disent des fois, mais là, en ce moment, ils disent pas. Après, quand c'est passé. C'est après, ça. Pas pendant. Il me semble qu'on liste tes passés proches mourir, toi. Fait que, OK. Pas, hein? On peut mais ils ont fait quelque chose de semblable après le 11 septembre. C'est-à-dire que tu avais aussi le niveau d'alerte terroriste qui fonctionnait sur... Il y avait des couleurs. Tu avais d'autres subdivisions dans le trou. Le terror level, là, il y avait... C'était le département de Homeland Security qui faisait ça? Homeland Security, c'était... mais c'était public. Et moi, en tout cas, c'est mon interprétation. Là. J'ai tout le temps vu ça comme une gimmick de relations publiques plutôt que quelque chose que les militaires... Ouais, toi, on sait que t'es un postmoderne. Ouais. Hey, le prof, il a dit en tabarnak. On peut pas savoir on est quoi. Moi, je me sens mal, mais... Tu peux pas trouver à nulle part présentement avec la crise en Ukraine. Ouais. Est-ce qu'on est un 4 ou un 3, tu sais? Genre, 5. Parce que là, en plus, on ramène les armes nucléaires, peut-être pour la première fois pour vrai en longtemps. Là, c'est Poutine qui vient de nous le dire au début de ton segment. Poutine a dit « Oubliez pas, hein, moi, j'ai des bombes, puis je peux retourner jouer chez nous tout seul si jamais vous êtes choqués. » Faut pas perdre de vue que si décide d'utiliser l'arme nucléaire, c'est qu'après ça, c'est quoi l'objectif d'attaquer l'Ukraine? Si c'est d'exploiter ses ressources... Faut que t'écoutes les autres Jason Selected des semaines d'avant. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que si tu garages du nucléaire là-dedans, tu peux plus exploiter rien. Ça va moins faire du bon blé. Tu sous-estimes pas les Russes, leur capacité d'exploiter les affaires qui ont été irradiées avant. Je suis pas en train de faire ça. La fierté, c'est bien important. Oh, la guerre de Corée, hein? Ben oui, le plus gros party. Je vais vous montrer un close call que j'aime beaucoup étudier. Ça, moi, j'adore cette map-là. Ça, c'est la guerre de Corée en 4 segments. Et ça explique pas mal pourquoi la Corée du Nord là, est tout le temps dans les nouvelles depuis 50 ans à propos des armes nucléaires. La guerre de Corée, hein, c'est un peu comme ce que j'avais montré au début à propos de le line of contact en Europe. Ouais. C'est que la capitulation du Japon, ça c'est la carte que vous avez à gauche, c'est là où ce que l'armée américaine avait rencontré l'armée soviétique qui arrivait d'en haut. Okay. C'est la péninsule de Corée. C'est weird parce que là, tu dis que c'est la guerre de Corée, puis il y a l'armée américaine, puis l'armée soviétique. C'est parce que tu as un restant de Deuxième Guerre mondiale. Tu as un restant de Deuxième Guerre mondiale avec cette histoire-là. La Corée a été conquise par les Japonais en 1905. OK. On en fait une espèce de colonie, là. Et ça a été pendant toute la première moitié du 20e siècle, la Corée, c'était comme un genre d'extension du Japon fasciste. OK. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi ils disent que le régime de Kim Jong-un là, a plus de racines dans le Japon fasciste que dans l'URSS. Okay. Au niveau de son idéologie et de son organisation bureaucratique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est pas ce qui nous intéresse. Non, on parle pas de ça. Ben, c'est un restant de ça, pareil.
Mais c'est ça. En 1945, l'armée rouge est descendue pour occuper, dans le fond, les territoires du Japon. Puis les deux se dépêchaient à avaler le plus de territoires possible, tu sais. Et là, c'était comme en 1945, là, c'est la paix. Et en juin 1950, Kim Il-sung, je me suis pas trompé de. Non, c'est Kim Il-sung, Kim Jong-un, puis Kim Il-sung, c'est ça. Ouais. Kim Il-sung en 1950, il décide d'annexer le sud capitaliste, la Corée du Sud. Ouais. Fait qu'on voit de juin à septembre 1950. C'est soutenu par. Il était armé. Il y avait plein de tanks soviétiques, puis ils ont un peu pris la Corée du Sud par surprise. Ils ont envahi, et en trois mois, il restait juste un petit bout de Corée du Sud, comme tu peux voir là, sur la map, ouais. Autour de Busan. Oui. D'habitude, le monde y abandonne la game, puis on recommence une autre rendu là. Oui, mais là, les Américains, c'est freedom. Hein? À ce moment-là, MacArthur, qui était un le fameux général MacArthur, qui était un des principaux officiers. De l'armée américaine en charge de ce qui se passait en Asie, fait la proposition au président Truman, on est en train de perdre, on va perdre la Corée, utilisons l'arme atomique contre la Corée du Nord. Oh shit, ok, je vois ce que tu veux dire, là. On a failli ravoir encore de la bombe atomique. Là. Oui. Truman va résister à la tentation. Attends, donc... Jason, il y avait MacArthur avait une phrase magnifique pour résumer sa pensée là-dessus. Tu te rappelles pas de « There's no substitute to victory ». Il n'y a aucun substitut à la victoire. Quoi que ça coûte, il faut la victoire. Oh shit, hein? Ben ouais. Mm. Okay. Il y en a d'autres qui proposent de faire un... Ça, c'est la troisième map qu'on voit. C'est de faire le débarquement à Inchon. Tu vois la petite flèche noire, là? Oui. Ouais. Fait que dans le fond, ils prennent les Marines. Hein? C'est les Marines qui finalement, n'auront pas besoin de l'arme atomique. Fait que les Marines débarquent à Inchon. Et les dans le fond, ils arrivent dans le dos des Nord-Coréens, puis ils réussissent à tout avoir pendant l'automne 1950, la Corée du Sud, et ils poussent au Nord, ils repoussent les Nord-Coréens jusqu'à la frontière chinoise. C'est dans le mois de novembre 1950. Fait que là, ouais, c'est ouais. Complètement... là. C'est deux mois après septembre. C'est fou. Ouais, ouais. Hey, non, mais la ligne du temps que tu nous proposes, c'est vraiment short, pareil, là. C'est quoi? Ben, c'est vrai que les trois premières photos, ouais. C'est en 1950, fait que les choses ont bougé rapidement. C'est très court, comme... Les choses ont bougé rapidement. Là, il y a... Marc, après, ça bouge plus. C'est ça. C'est que, à un moment donné, ça arrête, puis ça bouge plus. Mais ouais. Jason, juste avant que tu arrives à l'étape suivante... Oui. Bon, parce que MacArthur avait cette citation célèbre, qu'il n'y a pas de substitut à la victoire, mais est-ce que tu connais la réponse qu'il a reçue de Truman? Je l'ai oublié, vas-y. Parce que Truman disait, tu sais, on n'utilisera pas l'arme nucléaire. Si on utilise l'arme nucléaire en Asie, on va faire la mauvaise guerre au mauvais endroit, au mauvais moment, contre le mauvais ennemi. Parce que dans la tête du président américain, ce qui était important, c'était l'Europe. Et que les Soviétiques n'en profitent pas pour attaquer l'Europe pendant que les Américains sont en train de se débattre en Asie. Ouais. Puis j'ajouterais qu'il n'y avait pas beaucoup de bombes nucléaires en 1950. C'était une vingtaine là, qui était opérationnelle et déployable. Oui, en plus, ben oui, nous autres, on pense qu'il y en a des dizaines de milliers, mais là, on est en 1950. On est encore là à ce moment-là. Oui, oui, ben oui, ben oui. OK. Ça va forcer la Chine à rentrer dans le conflit sous incitation de l'URSS. Fait que c'est la dernière slide qu'on voit, c'est la contre-offensive chinoise. Fait que la Chine qui est devenue communiste en 1949, l'année d'avant, ben, ils envoient leur armée repousser les Américains, et cette poussée-là va être tellement forte que ça va finir... en fait, c'est la frontière qu'on connaît de nos jours. Ouais, 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 ça, ouais. Ça va devenir une genre de guerre de position. Qui laisse quand même... Il va y avoir un cessez-le-feu en 1953, parce que tu sais, il y a plus aucun des deux camps qui va faire des avances, okay. qui va prendre l'avantage. Éventuellement, il va y avoir un cessez-le-feu. Mais pendant ce temps-là, c'est MacArthur va revenir. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la fameuse citation. Parce que tu as deux moments dans la guerre de Corée où l'arme nucléaire est envisagée d'être utilisée par les Américains. OK. Donc la deuxième fois, c'est quand la Chine rentre dans le conflit. Mm-hmm. J'aimais bien la situation de Mao. Il a déjà dit à ce propos-là, si les Américains bombardent nucléairement l'URSS, il va y avoir 200 millions de morts et ça va être la fin de l'URSS. Si l'URSS bombarde nucléairement les États-Unis, il va y avoir 200 millions de morts et ça va être la fin des États-Unis.
si un de ces deux-là bombarde nucléairement la Chine, vous allez régler un de nos problèmes. Oh shit. Un de nos problèmes communs planétaires. Il était dans la sauce, Mao. Tabarnak. Donc, c'est à partir de ce moment-là, c'est la Corée du Nord va se développer cette espèce de mentalité que ça leur prend l'arme nucléaire pour garantir leur sécurité face à la Corée du Sud, qui a un avantage technologique évident. Puis on arrive en fait là à notre époque à nous là, ça fait comme 20 ans là, depuis que je suis ado qu'on parle à chaque mois de les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Ben oui. Le début des années 90. Oui, c'est 30 ans. Jason. Ils sont vraiment là, c'est dans leur idéologie, c'est ça leur prend la bombe nucléaire. Puis c'est un autoritaire qui veut avoir la bébelle qui va lui permettre d'être meilleur autoritaire, c'est logique. C'est garanti. En fait, il y a un peu raison dans un sens parce qu'il se dit, tu sais, Saddam Hussein il a été renversé alors qu'il ne l'avait pas. Moi, si je l'ai, il n'y a personne qui va m'écœurer. C'est ça. Les assurances. Et en plus, ça fait très prestigieux quand tu vas voir le chef d'État. Il te regarde avec plus de sérieux. Là, on a la bombe nucléaire en Corée pour aller l'amener en brouette, mais on l'a quand même. Je vais y revenir tout à l'heure, là, mais gardez ça en esprit. Le programme nucléaire nord-coréen a beaucoup été développé grâce à la corruption en Ukraine. Parce que l'Ukraine avait beaucoup de bases de développement d'armes atomiques. Puis quand l'URSS s'est effondré dans les années 90, on va voir une vidéo là-dessus plus loin. Okay. Ils ont réussi à avoir beaucoup de stocks, genre volés là, par la corruption. La prolifération nucléaire, là, c'est un réel problème. Paperclip. Là, tu parlais des bombardiers tout à l'heure, Tommy. On va aller dans l'ère des missiles. Paperclip. Dans le fond, tu avais un gars qui s'appelait Von Braun dans le régime nazi qui avait développé les fusées V1 et les fusées V2. On voit les V2 à l'écran. C'est le grand-papa des missiles nucléaires. Rêve, c'était d'aller sur la Lune. Il faisait ça pour aller sur la Lune. Lui, son fantasme, c'était d'aller sur la Lune. Ils vont me donner le budget pour développer les fusées et éventuellement, quand ça va être la paix, on va mettre des nazis sur la Lune. Bon film. Et des théories de conspiration que les nazis sont encore sur la Lune après la guerre. Donc, les Américains et les Soviétiques vont faire toutes sortes de manœuvres là, pour récupérer le savoir-faire allemand militaire. Et les Américains, c'est l'opération Paperclip. Hein, ils vont ramasser Erwin von Braun. Et ça va être le début là, de l'ère spatiale, hein, parce que la course à l'espace et le développement des armes atomiques, c'est comme deux petits cousins. C'est très conjoint, oui, je comprends. C'est très, très conjoint. C'est le même genre de science. C'est exactement dans ça qu'on s'en va maintenant. Ouais, officiel. Ouais, j'aime ça. Ouh. Puis la fusée, hein, même le design fait Tintin. Tintin, c'est basé là-dessus. Y a-t-il une raison balistique pour être capable de mieux calculer la vitesse, que ce soit quadrillé comme ça, pour être capable... Oui, c'est pour ça qu'il y avait le quadrillage. Il me semble que j'avais lu que c'était une affaire de mesure. OK, bon. Qu'elle décollait, là. Ça, c'est Sputnik. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere. J'aime ça, les Américains. Here, an artist's conception of how the feat was accomplished. A three-stage rocket, number one, the booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite. One of the great scientific feats of the age. Chris, oui. I suppose, Tommy. Ben oui. Je peux pas mettre assez d'emphase sur à quel point Sputnik, ça l'a foutu la chienne aux Américains. Parce qu'on était avant ça, on était à l'âge des bombardiers. Les deux faisaient, comme j'ai mentionné, faisaient des recherches sur des missiles. Et là, en 1957, l'URSS réussit à mettre un objet qui fait le tour de la Terre. Ouais. Tout le monde savait que ce qui était maintenant capable de mettre... ce que ça voulait dire, c'est que leur missile
pouvait maintenant toucher n'importe quel endroit aux États-Unis. Puis même, écoute, là, Jason, là, on vient de se faire des bombardiers passer au travers de l'Arctique. On vient d'essayer de raccourcir les distances. On vient d'essayer d'aller mener nos bombes sans se faire trop chier. 48 heures dans les airs. Mais là, Chris, t'as une affaire qui peut passer des jours et des jours et des mois et des mois en altitude que t'as pas vraiment de manière de savoir non, s'il est là. Ça tombait en 15 minutes, là. C'était différent des satellites. OK, c'est bon, excuse-moi. La bombe nucléaire n'est pas en orbite autour de la Terre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on vient de rajouter une troisième dimension au conflit, pas mal. Exactement, là, surtout que c'est... J'allais dire, pour la petite histoire, ça a coûté très cher aux contribuables canadiens, ça, parce qu'à l'époque, on avait peur des bombardiers, justement, à la fin des années 50. Spoil pas. J'ai rien dit. Ça a coûté cher aux contribuables canadiens. On allait parler du beau marque. Non, pas du beau marque. De l'Arrow. OK, vas-y, l'Arrow, j'ai décidé de ne pas le mentionner, fait que vas-y. Le Canada est en train de mettre au point un des avions de chasse les plus performants destinés justement à intercepter les bombardiers soviétiques qui venaient par le pôle Nord. OK. Puis subitement, ils se rendent compte que du jour au lendemain, à cause de la fusée qui a transporté le Sputnik, ça devient obsolète. Je veux dire, la menace des bombardiers diminue grandement alors que la menace des missiles, elle, augmente. T'sais. Et tout l'argent qu'on a mis dans le développement de cet avion-là, qui a coûté une fortune, du jour au lendemain, c'est obsolète. Fait qu'ils ont coupé l'avion, en fait. Les 7 exemplaires ont été coupés en petits morceaux. Et c'est comme ça qu'on a perdu une grande partie de l'industrie aéronautique au Canada, parce que des ingénieurs qui travaillaient là-dessus depuis 7-8 ans, du jour au lendemain, n'ont plus de boulot. Fait qu'ils sont tous partis travailler aux États-Unis ou en Europe. Et plus d'industrie aéronautique au Canada pendant... Puis c'était du budget militaire en plus, fait que tu n'as pas... Ouais, il y a eu comme une grosse vague de nostalgie, je me rappelle, à la fin des années 90, début 2000, là. Il s'était mis à beaucoup dans les médias à reparler du Arrow. Penses-tu que c'était des industries de la défense qui essayaient de restarter de quoi de similaire? À ma connaissance, non. Je fais plus l'impression que c'est une question de nostalgie, de dire à une époque, le Canada était une grande puissance, on avait des avions merveilleux, tout ça. Oui, parce que c'était plus un nationalisme canadien, je pense. Ce qu'il disait vraiment, c'était le meilleur avion au monde, puis comment ça, on l'a démoli. Mais tu sais, quand tu regardes en réalité, l'avion ne servait plus à rien. C'était l'avion, son unique design, c'était d'intercepter des bombardiers. Ben oui, c'est ça. Ils ont fait une affaire sur spécialisée, puis une couple de temps plus tard, ça ne servait plus. On avance. On va aller dans l'ère des missiles. C'est ça, ta Sputnik qui est lancée en 1957 sur le top d'une... C'est une fusée R-7 qui était les premiers missiles intercontinentaux soviétiques. OK. Ça l'a vraiment fait peur aux Américains, et à tel point que dans la campagne électorale de 1960 de John F. Kennedy, un des éléments centraux de sa campagne électorale pour battre les Républicains, hein, parce que les Républicains étaient au pouvoir pendant toutes les années 50, là, les deux mandats d'Eisenhower, John F. Kennedy attaquait les Républicains sur... Dans le fond, il y avait un « missile gap ». Un écart de missiles, c'est que les Soviétiques étaient maintenant en avance sur nous, puis on allait se faire... Tu sais, s'il y aurait une guerre nucléaire, les Américains se feraient battre par les Soviétiques. OK. Fait qu'il fallait mettre les bouchées doubles puis développer notre industrie nucléaire. Et à partir de ça, une fois qu'il rentre au pouvoir, la suite logique de ça, c'est on développe nos missiles nucléaires, ben pour le rendre... populaire auprès du public, mais si on développe aussi tout le programme spatial, c'est le fameux speech de Kennedy sur don't ask what you can do for your country, don't ask what the country can do for you, but what you can do for the country. Puis on va aller vers la lune. Il dit avant la fin de cette décennie, on va mettre un homme sur la lune. C'était une grosse réponse à quel point Sputnik leur avait fait peur. Ouais. Khrouchtchev se vantait à l'époque, il y a un speech de lui aussi qui est fameux, où il dit « on fait des missiles nucléaires comme des saucisses ». We're pouring them out like sausages. C'est pas nécessairement meilleur pour la santé. Hein. Non, effectivement. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on a accès, en fait, avec le développement des archives. Passe au suivant.
Ça, c'est des gros missiles noirs en arrière. Ça a l'air plus soviétique. Ça, c'est des Nike. C'est des non, il est écrit USA. OK, je voyais peut-être. Ce qu'on voit ici, c'est toutes les Space Launch. C'est-à-dire chaque fois qu'un des deux pays a envoyé des affaires dans l'espace. OK. J'adore cette map-là. Là, c'est assez fascinant. Bon, les Américains sont en bleu. Les Soviétiques sont en rouge. Et vous avez remarqué que les Soviétiques en lancent pas mal plus. Oui. Mais une des raisons, c'est qu'ils ont un taux d'échec plus élevé. Ah oui, il est écrit « launch » seulement, il n'est pas écrit… Oui, c'est que, tu sais, comme, mettons, les Américains, on en envoie un, puis ils le mettent en orbite. Les Soviétiques, on en envoie 10, puis ils en mettent un en orbite. OK. Mais on voit, là, tu sais, ça commence en 1957 avec Sputnik, là. OK. Tu vois l'espèce de la fameuse course à l'espace, là, puis qu'à un moment donné, les Soviétiques, ça fait quasiment de l'exagération. Là. Et avec la chute de l'URSS, là, on voit à quel point ça plante après, là, après 90. Là. Ouais, il faut focusser à nourrir le monde un peu plus. Oui, puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que vive le capitalisme, c'est qu'en dessous, tu vois le développement de l'industrie spatiale privée. Oui, puis c'est les mêmes dates, là. Ça rapporte encore à ce graphe-là. Ariane à Space, la fusée Ariane en France. Moi ça... saviez-vous, les cosmonautes, c'est tous ceux qui étaient russes, soviétiques. Les astronautes, c'est les Américains. Puis les spationautes, c'est le nom que les Français ont donné à leurs astronautes. C'est ça, je voulais juste avoir l'air utile un instant. Donc, les Canadiens, c'est ça, c'est les érablonautes. J'ai rendu ça, c'est lui le prof, man. Ton micro est fermé. On poursuit, mais c'est vraiment dense, cette map-là. Je ne l'avais jamais vue avant. Oui, je l'adore. Puis il y a un excellent documentaire, là. Il est gratuit sur YouTube. Écrivez BBC Space Race. OK. C'est les genres de documentaires où ils font de la reconstitution et des acteurs, là, comme si tu étais présent sur place. Là. T'avais, genre, tu sais, comme une fiction, là, mais c'est un documentaire, c'est des affaires factuelles. Où ce qu'ils montrent tout ce que je suis en train de vous parler là, tu sais, Von Braun, les Soviétiques qui prennent aussi leur certificat allemand, ouais. Le développement des missiles pour éventuellement envoyer un homme sur la Lune. Le problème des Soviétiques, contrairement aux Américains, c'est que les Américains avaient développé, Von Braun, ils avaient réussi à développer les fusées à étage. Okay. Les Soviétiques, ça leur a pris du temps avant d'être capable de maîtriser cette technologie-là. Fait que eux, c'était... pour ça que quand tu regardes les fusées soviétiques, ça a l'air d'un triangle. Là. OK. Tu sais, quand tu regardes Vostok, là, puis les... C'est que c'est des fusées qui sont tapées un à côté de l'autre. Au lieu d'avoir, tu sais, des étages un par-dessus l'autre, ils sont comme en genre de bundle. Okay. C'est pour ça qu'il y avait un haut taux d'échec. Ben oui. Parce que ça brassait trop, puis ça l'autre explosait. L'autre à côté, éventuellement, ils ont développé la fusée par étage, là, mais ça leur a pris du temps. C'est comme ça que les Américains ont réussi à mettre un homme sur la Lune et non les Soviétiques. Wow. On passe à la slide suivante. C'est que ça m'intéresse, ça. Moi, la course dans l'espace, là, c'est... Oh, ouais, c'est je trouve que c'est une des affaires qui devrait le plus fédérer les le humains. Le cosmos! Genre. En dessous de la mer, hein, parce que, tu sais, tant qu'à avoir des missiles, les Américains vont être les premiers qui vont avec le sous-marin George Washington, mais les Russes vont suivre pas longtemps après. Ça, c'est le fameux, la classe Hotel. Je sais pas si vous avez vu le film K-19 avec Liam Neeson. Oui. Donc, c'est le premier sous-marin soviétique à envoyer des missiles nucléaires. Donc, la gamique de ça, c'était de c'est encore là, c'est tout le temps te rapprocher de ta cible. Les Américains voulaient leur sous-marin proche de l'URSS, en dessous de l'eau, indétectable. Ouais, ouais. Et sous une commande, paf, t'envoies tes missiles. On peut aller livrer le missile. Écoute, là, il y a une affaire, on peut faire un petit aparté là. Moi, je suis très curieux de ça, là, mais... l'énergie nucléaire, on est un petit peu en train de comprendre ce soir que la première fois que ça a été utilisé pour, mettons, comme en recherche, comme les Curie qui se sont burnés eux-mêmes, puis ce genre de patente-là, mais ça a été de faire des bombes, et après ça, il y a eu des sous-marins nucléaires. Fait que là, t'es en train de me parler que ça fait même pas, genre, 80 ans qu'il y a des gros sous-marins nucléaires, genre?
Ça, c'est la fin des années 50. Il n'y avait pas de moteur nucléaire avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est peut-être ça ma question. Non, il n'y en avait pas. C'est récent, ça. Il n'y en avait pas. Parfait. OK, merci. On a fait des bombes avant de faire des centrales okay. ou des réacteurs. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci. Là, oh. Même, là, j'ajouterais que la plupart des centrales nucléaires, parce que je m'amusais à faire une recherche là-dessus, là, c'est à partir des années 70 dans la plupart des pays industrialisés. Là. OK. On a quelques-uns avant ça, là, mais tu sais, de genre faire massivement de l'énergie électrique. Ouais. Que ça devienne une source d'énergie qui va la. Ouais, quelque ça. Chose de récent, puis que. Hey, c'est capoté, ça n'a même pas 100 ans, les gars, Chris. C'est capoté. Même Laurent. Ça nous ramène aussi à ce que Laurent disait. Excuse-moi, Jason. Ce que Laurent disait tantôt à propos de l'Arctique. Tu sais, on disait effectivement les frontières sont éloignées, mais enfin, mais surtout, en fait, ces sous-marins-là, c'est la meilleure place pour les cacher, surtout des sous-marins à propulsion nucléaire, parce que ça va pas que des sous-marins diesel, mais la meilleure place pour les cacher, c'est en dessous de la glace. C'est déjà, même dans l'océan, ils sont très peu détectables, mais des envoyés sous la banquise. Parce que la glace bloque le. C'est de vlimeux. Mais non, parce que c'est subtil. Tu peux sortir. Tu peux casser la glace en émergeant. Et là, tu peux lancer tes missiles aussi. Jamais écouté Firefox avec Clint Eastwood? J'ai pas vu ça. Mais mets ça dans ta boîte à papier. Là. C'est un film dans lequel on voit un sous-marin passer à travers un cap de glace. Ils ont pris des images d'archives de cette scène-là. Non, j'ai mieux que ça, moi. Fast and Furious 7. Oh oui! Ouais, c'est bien. Dans l'histoire des Rangers, là, les membres des communautés qui du Nord, là, des militaires qui, en fait, donc, qui patrouillent le Nord, c'est des chasseurs aussi, tu vois, puis eux, leur job, c'est en particulier de ramener des observations d'incidents étranges, de phénomènes étranges dans l'Arctique. Et parmi les premiers rapports qu'on avait des années 50, il y en a un qui sont deux Rangers, puis il y en a un qui dit oups, il y a une baleine qui est sortie de la glace. Puis l'autre qui la regarde et dit ouais, ben c'est une baleine, il y a un gars qui est en train de marcher sur son dos actuellement. On a compris que c'est un marin qui était sorti. C'est bon ça. Fait que bon, on poursuit, prochaine slide. C'est. Ah oui, une nouvelle manière d'aller domper ta bombe. Faut que tu ailles porter ta bombe. Aller domper ta marde. Oh, mon préféré. On va aller un peu dans la sauce. Henry Kissinger, c'est sûr que vous avez déjà entendu ce nom-là. Ben oui. C'est probablement un des individus au 20e siècle qui a le plus haut... je dirais l'Américain qui a le plus haut body count de crimes de guerre divers. On pourrait les énumérer beaucoup, là, notamment, tu sais, il a prolongé la guerre au Vietnam, il a bombardé le Cambodge, le coup d'État de Pinochet, c'est un peu de son idée à lui. Il y en a plusieurs comme ça, mais comment Kissinger s'est fait connaître? C'est qu'en 1957, il a publié un livre, Nuclear Weapon and Foreign Policy. Je vais vous faire le résumé. C'est éventuellement, il va devenir le conseiller du président Nixon et un Américain influent là, en politique étrangère. Mais l'événement qui l'a fait connaître, c'est ce livre-là. Et dans le fond, ce qu'il disait, c'est le problème de la guerre nucléaire, c'est que c'est tout le temps total. Tu sais, la doctrine du président Eisenhower, c'est envoyer tes missiles nucléaires. Là, l'autre, pour ne pas se faire détruire ses missiles nucléaires, ben, il va envoyer ses missiles nucléaires. Là, tout le monde meurt. Moi, j'ai une idée. On va faire de la guerre nucléaire tactique. Oh, du micro-dosage. Micro-dosage. C'est de l'homéopathie stratégique. ça a l'air comme évident, dit en 2022, mais en 1957, c'était vraiment comme... Ben oui. Puis, genre, tous les journaux de l'époque parlaient de lui. Puis, c'est vraiment ça qui l'a fait connaître, là, qui l'a lancé dans sa carrière. Et c'est vraiment. Moi, je m'amusais à lire des passages. Là. C'est vraiment débile. Ça a d'ailleurs influencé Kubrick. Il y a plusieurs on appelle ça là, des fans d'armes nucléaires, des théoriciens, qui ont influencé le personnage du Dr. Strangelove, hein, du film de Stanley Kubrick. Mais ouais. Ce livre-là, ça en fait partie. Okay. Tu vois, il dit là, la tactique de la guerre nucléaire doit être basée sur des troupes très mobiles, avec une grande puissance de feu afin de garder notre ennemi. Dans le fond, ce qu'il propose, c'est vraiment comme de théoriser du A.E. Voigt ou n'importe quel écrivain de science-fiction de l'espace de l'époque. Là. Il pitchait de la radiation partout. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est que si tu utilises des petites armes nucléaires,
il y a moins de risque d'escalade. Parce que, mettons, tu vois, tu vas anéantir un bunker, mettons. Ouais. Et l'ennemi ne va pas nécessairement te répondre avec d'autres armes nucléaires. Ouais. Ce qui est une théorie qui reste encore à prouver. Je pense qu'elle reste encore à prouver. C'est ça. Mais tu sais, c'était Kissinger, c'est ce qu'il a mentionné. Kissinger, je parlais tout à l'heure les fois où il y a eu des close calls. Nixon, qui était reconnu pour être un alcoolique sévère, à un moment donné, dans les années 70, là, il essayait de trouver une façon d'arrêter la guerre au Vietnam, notamment les convois de ravitaillement du Vietnam du Nord qui passaient à travers le Cambodge, le Laos, vers le Vietnam du Sud. Okay. Et à un moment donné, Nixon, on a l'enregistrement audio de tout ça, il est sur YouTube, vous irez voir, parce que Nixon il enregistrait tout ce qu'il disait dans son bureau. Et t'as carrément Nixon qui dit on devrait utiliser la bombe nucléaire sur le chemin Ho Chi Minh. Et c'est Kissinger qui dit... Oh shit, c'est le gars qui fait le théoricien des bombes nucléaires qui dit on devrait se calmer avec la bombe nucléaire, mon petit deck, finis ton shooter. Kissinger était particulier parce que sur le Cambodge, ils ont largué plus de bombes sur le Cambodge pendant la guerre du Vietnam que de bombes qui ont été larguées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est pas la première fois que je l'entends, ça. C'est quand même assez lettre. Kissinger, il micromanageait ça. Il y avait. C'est un de ses trucs fameux, là. Il y avait la carte du Cambodge comme un jeu de battleship, là, avec des petites cases. OK. Puis là, il disait. Il recevait tous les rapports de renseignement, puis ça. Puis il disait OK, aujourd'hui, on va anéantir le B4, genre. Ah. Ou le G2. T'sais, c'était toutes des petites cases. Là. Ouais. Là, il ordonnait. Puis cette opération-là, ça s'appelait l'opération menu. Il faisait son menu, genre. Comme un menu de restaurant. Fait que là, t'avais la mission qui va s'appeler déjeuner. Ah, j'espère qu'il est constipé, ce gars-là. Là. On dit qu'il est encore vivant. C'est vraiment twisted. Là. Les noms d'opération, c'est déjeuner, dîner, souper. Puis lui, il n'est jamais là. En plus, là, il est à l'autre bout de la planète. Il y a une carte. Oh, il fait des X. Maison-Blanche. Passe au suivant. Je ne l'aime pas beaucoup. La guerre nucléaire... On a vu des façons de guerre nucléaire massive à travers les continents. Kissinger, il amène... des façons. Les Soviétiques vont, en voyant ça, ils vont développer eux-mêmes leur propre méthode. Ça, c'est les fameux canons nucléaires soviétiques. Les Américains en ont développé aussi. Mais la slide suivante, c'est mon préféré. Je ne sais pas si tu sais où je m'en vais, Stéphane. Grosse corvette, petite quéquette. Hein? C'est vraiment la prochaine slide, Tommy, là, c'est mon préféré. C'est un chef-d'œuvre d'obsession militaire. C'est le Jimmy Crockett. Davy Crockett, c'est l'arme nucléaire que 5 dudes et un pick-up peuvent transporter. Tu pouvais le porter comme ça. Il faut que tu aies un trépied. Il y a un trépied. Non, mais c'est que tu regardes un organigramme. Il y a un gars qui traîne le trépied. Je pense que le missile, il se défait en trois morceaux. Ouais. Un avec la tête, l'autre avec la tête. J'ai vu un diagramme. Là, t'as juste besoin de 5 gars. Là. OK, bon, ben, deux sur la tête, deux sur le missile, puis un sur le trépied. Mais tu pouvais le lancer, genre, sans avoir un trépied. Ben, ça n'a jamais été utilisé à part dans des tests. C'était sûrement la dernière affaire que tu faisais, si tu faisais ça. Mais c'est ça le problème du Davy Crockett. Ouais. C'est que l'utilisateur est vaporisé en même temps que la cible. C'est ça. Ça a beau être une petite arme nucléaire, ça demande quand même nucléaire. La distance va jamais... genre être suffisante pour garantir la sécurité de celui qui l'a lancé. Ouais. Mais je pense que la portée de l'arme était quand même plus grande que l'explosion. Voilà. OK. Il est mieux de se sauver. Là, je vous dis ça sous toute réserve. T'es mieux de viser haut. Mais pour faire encore un lien avec le programme spatial à cette époque-là, les Russes, dans leur premier test pour amener quelqu'un sur la Lune ou dans l'espace ou le reste, il n'y avait pas de projet de le ramener. Fait que ça fait quand même un espèce de lien moral, idéologique ici là, avec peut-être le trépied. Que... Ah, ça, c'est des Américains. Ça, c'est Américain. Ah, c'est des Crockett, c'est Américain. Ils sont fins, fait que c'est correct. Ouais.
Ça a l'air moins menaçant quand c'est américain que quand c'est russe. C'est une phrase célèbre d'un théoricien des relations internationales qui s'appelle Alexander Wentham, qui a dit ça un jour. OK, je suis encore d'accord avec ça. C'est peut-être la propagande. Là. Mais Tucker Carlson suce en crise, par contre. Là. Ça, je suis capable d'aller mais là. Ça, c'est on passe à la prochaine. Nonobstant rien d'autre. Ouais. Dans la prochaine, c'est la crise des missiles de Cuba. On voit une vidéo. Oui, mets le son, Tommy. Oui. Le 15 octobre 1962, le gouvernement américain découvre stupéfait des clichés de plusieurs rampes de missiles nucléaires soviétiques sur l'île de Cuba. Defcon 4. À moins de 200 km des côtes américaines, un tel arsenal représente une menace considérable pour les États-Unis. Ah oui, à ce moment-là, c'est 4. Le président Kennedy ordonne alors le blocus maritime de l'île. 183 vaisseaux de guerre américains, dont 8 porte-avions, empêchent les cargos soviétiques chargés de missiles de s'approcher de Cuba. Le monde tremble dans la crainte d'une guerre nucléaire. La baie des cochons. La baie des cochons, c'est l'année précédente. Après 4 ans de colonisation espagnole, Cuba obtient son indépendance en 1890. C'est dans le même coin, t'as raison. L'île tombe alors rapidement sous la tutelle des États-Unis qui la convoitaient depuis longtemps. Mais en 1959, lorsque le chef de la guérilla, Fidel Castro, s'empare du pouvoir, les relations entre les États-Unis et Cuba se dégradent. Rejetant l'influence des États-Unis, le nouveau régime cubain nationalise les entreprises américaines implantées sur l'île. Les États-Unis répondent bientôt par un embargo total contre Cuba, mettant un terme aux relations économiques, financières et politiques qui les unissaient. La petite île des Caraïbes devient la hantise des États-Unis, qui n'ont désormais qu'un objectif, renverser Castro. En avril 1961, le jeune président Kennedy, qui vient d'être élu, lance une offensive militaire sur Cuba, dans la baie des Cochons. 1400 exilés cubains recrutés et entraînés par la CIA débarquent dans la nuit. Mais l'opération échoue. Les assaillants sont accueillis par des armes lourdes et sont presque tous tués. Ah! Il y a un gay sous roche. Le succès est immense. Tandis que la crédibilité de Kennedy est considérablement affaiblie. Après l'embargo américain et le débarquement de la baie des Cochons, Fidel Castro se rapproche de l'URSS et Cuba bascule dans le camp soviétique. Une alliance qui inquiète la superpuissance américaine à l'heure où la guerre froide bat son plein et que les relations entre les deux blocs se détériorent. Cuba a changé de camp. C'est désormais, aux yeux des États-Unis, un satellite soviétique, un danger permanent à 150 km de la Floride, un exemple de révolte qui risque de créer par contagion une situation dramatique dans toute l'Amérique latine. En juin 1962, dans le plus grand secret, près de 50 000 soldats et une trentaine de missiles nucléaires soviétiques sont envoyés sur l'île. C'est l'opération Anadir. Nikita Khrouchtchev, le leader soviétique, entend ainsi éviter une nouvelle tentative d'invasion américaine, mais surtout faire de l'île une base militaire stratégique à proximité des côtes américaines. Les États-Unis ont installé des missiles nucléaires en Turquie et en Italie, l'URSS en aura à Cuba. Le 22 octobre 1962, John Fitzgerald Kennedy s'adresse aux Américains d'une voix grave. Il annonce la découverte des rampes de lancement soviétiques sur l'île et la mise en place du blocus maritime. Le président américain demande aux leaders soviétiques de retirer immédiatement les missiles sous peine de représailles. Près de 600 avions de combat et 40 000 marines sont prêts à intervenir. La tension est à son comble. Ah, j'aime ça, ce montage, c'est dynamique, c'est cool. Les dirigeants négocient dans l'ombre par lettre interposée. Kennedy s'engage publiquement à ne pas envahir l'île en échange de quoi, le 28 octobre, Khrouchtchev accepte de retirer ses fusées. Merci, monsieur Khrouchtchev. La planète respire. Oui. Par une clause secrète, le président américain a également concédé au démantèlement de ses missiles. Relativement sûr. Après avoir frôlé la catastrophe, relativement, décide de mettre en place le téléphone rouge. C'est important, ça c'est nouveau, c'est révolutionnaire, c'est que ça. This direct communication between the Soviet and American governments is designed to curtail misunderstanding and miscalculation that might touch our minds. Débile, ça, ils ont dit on est avec des bébelles qui ont tellement pas de bon sens qu'on se ramasse avec ces bébelles là qu'on va
On va se faire accraire d'avoir un fail-safe, là, tu sais. Hein? « Hey, veux-tu sortir ta bébelle? » J'ai entendu dire tu voulais sortir ta bébelle. Non, 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 c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Mais là, là, tu sais, je veux dire, on a parlé de la Corée qui a failli avoir des bombes. On a parlé de la Corée qui a failli avoir des bombes une deuxième fois. Mais là, calvaire, là, ça c'est le non, mondial. Ça, c'est la big. La marde de pas une enfant. DEFCON 4. Là, mais là sur la slide suivante, pendant qu'on parle, ça va bien illustrer ce qu'on est en train de parler en ce moment. Ça a l'air niaiseux, mais c'était surtout ça le problème de la crise des missiles de Cuba, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de communication entre les... Tu sais, ils se parlaient par ambassade, là. Tu vois les... c'est que c'était... Ce qui faisait la différence, pourquoi c'était autant une menace, c'est que les missiles étaient tous à 15 ou 12 minutes de... On voit là, la portée de... Ouais. Tu vois, à partir de l'île de Cuba. Ouais. Puis surtout, c'est que ça... Tu te rappelles, ma carte de tantôt, c'est les radars vers le pôle Nord. Oui. Ben ça, tu fuck complètement ce système-là, là, parce que là, tu arrives par en dessous. Oui. En moins de 15 minutes. La Dew Line était comme en haut là-bas, puis t'avais la Mid-Canada ici qu'on voit même pas. Mais oui, tu fous tout. Jason, tu fous tout. Encore. On voulait faire des arrows, ça donne plus rien. C'est pire que la ligne Maginot, ça. On l'a encore moins bien calculé, mais il savait peut-être pas aussi à cette époque-là encore que Castro était pour prendre le contrôle, devenir chum avec... tabarnak, c'est capoté, t'as dit ce qui s'est passé. Ouais, c'est vraiment cool. Si vous voulez un bon film sur le sujet, là, 13 jours avec Kevin Costner, là, c'est vraiment awesome. Là. Moi, c'est un film que j'ai dû écouter une dizaine de fois parce que c'est vraiment bon. Puis ça montre tout cet aspect-là là, d'incompréhension et de manque de communication. Puis à un moment donné, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le film. Là, Joe, c'est, j'aimerais, ouais. Merci, Joe. McNamara, qui est le secrétaire à la Défense, il dit ce qui est en train de se passer là. Tu sais, parce que l'amiral, il dit ben là, tu vas pas qu'on tire sur les bateaux soviétiques. Puis il répond à l'amiral, il dit tes bateaux en ce moment autour de Cuba, là, c'est pas. Leur but de ces bateaux-là, c'est que je suis en train de dialoguer avec le secrétaire général de l'URSS. Je suis pas en train de faire une guerre, je suis en train de dialoguer. Mes bateaux, c'est pour... Parce qu'on n'a pas de communication, puis ouais. On veut leur faire comprendre que tes missiles, là, enlève-les de l'île de Cuba, parce que sinon, ils vont avoir une guerre. Là, j'ai 8 porte-avions. Hey, 8 porte-avions. Stéphane, là, mettons, là, en argent moderne, là, ou whatever, là, le blocus, là, de ça, là, les croiseurs, puis c'est quoi? C'est 10 millions de dollars par heure, genre? Ça... Tu comptes tout, ouais, un déploiement militaire, ça coûte effectivement une fortune. Là, c'est, hey, je saurais pas te dire, là, mais. Je savais même pas qu'il y avait. Si tu gardes le bateau au port, ça coûte bien moins cher, c'est sûr. Tabarnak, je savais même pas qu'il y avait 8 porte-avions sur la planète. Genre, ben là, t'as pas vu Top Gun? Ben oui. Les Américains en avaient 150 durant la Deuxième Guerre mondiale. What the bon, double G? 150? Dont des gros, là, dans à peu près une quarantaine de très gros, là. Le Canada, on avait 3 à cette période-là. C'est quoi? On mettait des souffleuses puis des joueurs de hockey là-dessus, si tu veux faire. Ouais, mais des souffleuses avec des ailes. Ah, j'aime ça, la Zamboni. Hey. Mm, ouais. On continue. On comprend que là, on s'est encore fait avoir par des hosties communistes très heureux. On exclut la personne qui parle. On exclut. Un autre close call. Pendant tout ce que ça se passait, là, les Soviétiques, il y avait leur sous-marin était aussi dans les eaux autour de Cuba pour protéger leurs bateaux qui amenaient les armes nucléaires à Cuba. Puis à bord du B-59, le B-59, qui est le nom du sous-marin soviétique, ouais. Il a été détecté par les bateaux américains. Et les bateaux américains, pour y faire peur, se sont mis à y envoyer des depth charges, des mines. Des charges. Okay. Et le capitaine du B-59, ça, c'est des choses qu'on a appris vraiment après. Le capitaine, c'est pas Vassili Arkhipov qu'on voit la photo là. Vassili Arkhipov, c'est l'adulte dans la salle. Vous allez voir où je m'en vais. Okay. Le capitaine du B-59 avait l'autorisation, s'il le jugeait nécessaire, de lancer des torpilles nucléaires. Oh, fuck! Réplique,
OK, je comprends, là. À se faire attaquer. Rien de moins que... On a vu que t'étais caché, on t'a pitché une coupe de roche, puis là, tu pourrais sortir le missile puis te sentir justifié. Ouais. Là. OK, OK. Il a mal interprété cette attaque-là. Il s'est dit, ah, ça y est, la Troisième Guerre mondiale est commencée. Fait que j'envoie mes torpilles nucléaires sur la flotte américaine. C'est capoté, man. C'est pas les missiles intercontinentaux, là. C'est vraiment le sous-marin. On est dans la logique de la guerre tactique. Ouais. Le sous-marin, à son bord, a des torpilles nucléaires. C'est fou quand tu y penses, là. Oui. Tu sais, il y a 8 porte-avions, on va les tuer one shot. Vassili Arkhipov, c'était le commissaire à bord du... chaque sous-marin avait un représentant du Parti communiste. Pour garder en laisse les militaires, dans le fond. Si vous avez écouté Octobre Rouge, là... Ouais, j'ai vu ça, moi. C'est l'inverse de Sean Connery, là. OK. Fait que Vassili Arkhipov, il a dit au capitaine... Wow, il respectait beaucoup les femmes. Okay. Non. Puis, il paraît que ça a brassé, là. Oh, ouais, on a levé le ton, là. Le parti, il veut pas, là. Lui, il a dû invoquer plein d'affaires que peut-être qu'il savait pas s'il avait le droit. Écouter son ressenti, c'est ressenti contre ressenti. Puis, tu sais, je veux dire, dans un sous-marin en 1900, tranquille, jadis, là, il y avait pas de téléphone cellulaire et de communication comme on a là. Tu peux pas comme juste ouvrir quelque chose dans ta poche puis parler avec quelqu'un de l'autre bord de la planète. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils ont écouté leur ressenti. Donc? Le Vassili Arkhipov, il a gagné son argument, puis de toute façon, vu qu'il était le représentant du Parti communiste, puis c'était une dictature, ben c'est lui qui avait le dernier mot. Ouais. Il a tout simplement dit au capitaine, il n'y en est pas question, tu ne tires pas, puis prends ton mal en patience. Éventuellement, les attaques américaines ont cessé, la crise s'est dénouée, là, mais si ça n'aurait pas été de lui, mettons, là, il y aurait eu peut-être une escalade nucléaire. Ouais. Et moi, j'ai visité un sous-marin. Quand tu vas à New York, il y a le Growler, qui est l'équivalent mais américain. C'est vraiment petit, là, ces sous-marins-là. Là. Puis le guide touristique nous disait, imagine, là, t'as 40 à 60 marins à bord, puis tout le monde fume. Pour vrai? Ouais. C'est dégueulasse. En 1961, là, tout le monde fume. C'est dégueulasse. Si tu vas à Pointe-aux-Pères, dans le bas du fleuve, pas loin de Rimouski, Il y a un vieux sous-marin canadien là, de la guerre froide, l'Onondaga. Et quand il y a des salles où que tu vois juste à travers une vitre, là, ils ont fermé la salle, mais tu peux quand même voir à l'intérieur, par exemple, le carré des officiers, ben ils ont recréé l'ambiance de l'époque avec des cendriers pleins de botch puis des paquets de cigarettes sur la table. Ça fumait. C'est une excellente visite. Pointe-aux-Pères, c'est à côté de Rimouski. C'est si vous passez dégueulasse. Par là, à la Gaspésie, là, je recommande pour toi. Mais Tommy, tu peux y aller parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de fumer. Ben non, ben calvaire. Tu veux que tes militaires soient optimales. En tout cas, je sais pas. C'est parce qu'au moins, c'est moi ça qui décide, personne fume. Là. Mais là, ça masquait l'odeur du diesel et l'odeur du swing qu'il y avait dans le sous-marin parce que tu avais bien d'autres odeurs que la cigarette qui pouvait te déranger. Il n'y avait pas inventé les sapins qui puent encore. En tout cas, je comprends que la réalité. La réalité. Pas faire un courant d'air. Non, effectivement. Puis l'air devait être filtré d'une manière ou d'une autre. Il devait se poser quelque chose. Ouais. Hein. En tout cas. On écoute, on continue. Ce que vous voyez à l'écran, parce que j'aime beaucoup mentionner toutes les participations du Canada à cette histoire de la guerre nucléaire. Ça, c'est le Beaumarc. C'est au musée de l'aviation de Ottawa. Il y a peu de gens qui savent, mais le Canada a déjà eu une semi-capacité nucléaire. Ce missile que vous voyez là, c'était fait pour intercepter les bombardiers et les missiles soviétiques au-dessus du pôle Nord. OK. Les têtes nucléaires étaient sous contrôle américaine, mais étaient mises dans ce missile canadien contrôlé par des Canadiens. C'est fair enough. Ça, c'est dans les années 60. Je pense que le programme il a été mis sous... comment ça s'appelait? C'est Deep Parce que là, tu as parlé des bombardiers encore. C'est-tu de la technologie Arrowhead qui aurait comme été... réutilisée? Mais non, c'est parce qu'ils ont développé les missiles, mais... Ils ont quand même gardé les bombardiers actifs. OK. Ben oui. Il y en a encore aujourd'hui qui viennent nous voir de temps en temps. Là, ben ouais, qui viennent frôler la souveraineté canadienne du bout de l'aile. Ouais. C'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, là, ces bombardiers-là existent encore. Ils sont encore capables de le faire B-52 la avec du duct tape. En 1955. Ouais, j'aime ça. Juste pour faire...
C'est en 64 ou 68, je pense, qu'ils ont arrêté de le faire. Mais c'est la courte histoire que le Canada... C'est slick, ça. C'est vendeur. Des armes nucléaires. Mais le Canada n'avait pas l'autorisation de les détonner. C'était contrôlé par les Américains. Petite note de bas de page à propos du missile qu'on voit là. Le truc curieux, c'est que les Canadiens ont acheté ça et le gouvernement conservateur qui était nouvellement élu, qui avait le gouvernement des Finbaker, qui avait faisait longtemps que les conservateurs n'étaient pas venus au pouvoir, puis c'était pas préoccupé beaucoup des questions de défense. Et ce missile-là a été acheté sans qu'on réalise trop que la seule manière de l'armer, tu peux pas mettre un explosif conventionnel dedans. La seule manière que tu peux armer un bomber, c'est avec une arme nucléaire. Ça fait qu'on s'est retrouvé avec des missiles, mais on n'avait jamais eu de débat au Canada sur la possession d'armes nucléaires. En fait, dès 1945, le Canada avait refusé. Fait que pendant des années, en fait, tout le temps du gouvernement de Diefenbaker, de 1957 à 1963, il s'est fait empoisonner la vie par les débats sans fin à la Chambre des communes sur est-ce que oui ou non on veut des armes nucléaires, est-ce qu'on en prend, est-ce qu'on n'en prend pas. Et pendant ce temps-là, on avait un missile qui devait fonctionner avec une arme nucléaire. Ouais. Fait que les langues sales disaient, dans le fond, on a un superbe missile, mais à la place d'avoir un explosif dedans, on a un sac de sable. T'sais. Puis on espère pogner un avion avec ça. T'sais. Ah ouais. Ils ont... La campagne électorale de 1963 s'est jouée en grande partie sur est-ce que le Canada veut ou non des armes nucléaires. Devenir un pays nucléaire. Et l'ironie de la chose, c'est que Pearson, qui est devenu l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est devenu premier ministre aux élections de 63, pendant des années, il a dénoncé Diefenbaker qui avait acheté des missiles nucléaires. Mais c'est lui, quand il est arrivé au pouvoir, c'est lui qui a dit « OK, on va aller prendre vos armes nucléaires ben finalement ouais, ». Ben c'est ouais. là que ça s'est réglé. Fait que c'est... Oh et là c'est là. Trudeau, le père, qui va succéder à Pearson, qui lui va dire non, les armes nucléaires, on n'en veut pas, remballer ça puis ramener ça chez vous. Là, allez vérifier, là, mars 72. Waouh, hein, c'est. Trudeau, père, a dit pas de nucléaire ici. Là. C'est capoté. J'aime ça, cet aspect-là aussi, parce que il y a tout un aspect comme politique, des noms qu'on reconnaît, puis le reste, j'adore ce que je suis en train de vivre. Ça vaut 120 000 piastres. Merci aux 517 personnes qui nous écoutent. Merci, Jason. Merci, Stéphane. C'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous. On poursuit ce petit blog. Je vais quitter. Laurent, la salle qui retourne en Lauranie. Que je retourne en Lauranie. En Lauranie. Vers le nord de Montréal. Oui. Donc, je m'en vais de ce blog. Comme un podcast de VHS. Laurent Nasal. Je vais checker des VHS, ce qui est des bétacans, des U-matiques, on ne sait pas. C'est compliqué. J'écoute ça, puis c'est de la bombe. J'écoute ça en faisant ma vaisselle. Ben oui, il fait ça sur Twitch. Anyway, c'est certainement la plus affiliée, amie. Des chaînes Twitch, absolument. C'est le jeu, c'est sérieux. Merci beaucoup, Laurent, de t'être déplacé. Merci d'invitation, encore une fois, Tommy. Merci, Laurent. Je dis sans honte que l'année passée, Laurent Lassalle m'a fait écouter pendant 2 heures. On est comme genre un vendredi soir, là. Puis pendant 2 heures, j'ai écouté un samedi matin à Salut Bonjour en 1995. Écoute! C'est des choses qui arrivent. Mais VHS enregistré de Salut Bonjour en 1995. Ah, vraiment? Non, c'est avec important. Les annonces. C'est important. Et d'ailleurs, si vous avez des vieux VHS... J'ai beaucoup de U-matics. Là, on est dans une autre génération, Tommy. Fuck les VHS. Même des bêta pour fuck toi, les Betamax. On va voir l'industrie télévisuelle direct à la source. C'est pas toujours beau. T'es sûr et certain. Yeah. Merci beaucoup, Laurent. OK, bye. Laurent Lassalle, mesdames, messieurs. Vous pouvez le suivre sur Instagram ou Facebook. Ça en est un qui a plus de 40 ans. Ça veut dire que pour lui, Instagram et Facebook, ça existe encore. Oups, non, c'est pas ça qu'il faut que j'enlève. Donc, nous, on va poursuivre. Jason, on est à la nouvelle map. Je vais te laisser jaser de ça un petit instant. Je vais juste dire bonsoir. C'est un autre close call. C'est la guerre du Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est la fameuse fête juive. Et ça, c'est en 72. Je me mêle tout le temps entre 73. Donc, Israël s'est fait attaquer par surprise par la Syrie et l'Égypte. Et un petit peu plus tard dans cette guerre-là, qui a duré quand même un bon petit bout, là, c'est 2 semaines et 5 jours,
Éventuellement, même l'Irak et la Jordanie sont rentrés dans le conflit. Israël s'est vraiment fait attaquer partout. Grosse guerre conventionnelle avec des tanks et tout. Là. Ouais. La dernière. Il dit que c'est la dernière grosse guerre de tanks entre des pays relativement de puissance égale avant ce qui s'est passé en Ukraine cette année. Là. Parce que là, on s'entend que les Américains contre l'Irak, c'est pas tellement égal. Là. Ben, c'est des grosses batailles de tanks dans le désert, puis les Israéliens ont vraiment rushé. Ils ont gagné la guerre, mais ça n'a pas assez proche. Notamment, à un moment donné, c'est qu'ils ont manqué de munitions, entre autres. Et à l'époque, Israël, puis ça a tout été comme le secret que tout le monde sait, genre. Israël a un programme nucléaire. OK. Qu'ils ont développé en partenariat avec l'Afrique du Sud. Ah! C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais avoué. OK. C'est une espèce de bluff là, de dire... C'est que tu laisses savoir... Tu ne vas jamais dire que tu as l'arme nucléaire, mais tu t'arranges que tout le monde le sait, parce que c'est pour ça que ça sert, l'arme nucléaire. T'sais. Oui, oui. Il ne faut pas que tu l'utilises. C'est... Pas que tu l'utilises. Tu veux ça. Que les gens le savent, parce c'est que ça. C'est ta carte dans ta manche. Si c'est mal, même le point... du film en entier de Dr. Strangelove au complet, là, les deux fabriquent comme... Excuse-moi. C'est le 7 octobre, Moshe Dayan, là, qui était le fameux général israélien, là, c'est celui qui a une patch de pirate, là, vous googlerez son nom. C'était le fameux général israélien de l'époque, a demandé l'autorisation pour utiliser les armes nucléaires contre l'offensive de la coalition arabe. Ça lui a été refusé. Encore là, hein, c'est le gars qui avait l'autorisation de le faire, mais il y avait un autre adulte dans la salle, heureusement, qui a dit « Hey, wow, les moteurs! » Et autant l'URSS que les États-Unis en ont eu vent, ils se sont mis, eux aussi, à se mobiliser. C'est là qu'on a monté en DEFCON 3. OK. Et tu sais, il se disait « Bon, si ça pète nucléairement... » En Israël, ça se peut qu'on est forcé d'embarquer nous aussi, puis ça virerait en guerre nucléaire générale. Donc ça, c'est les événements de la guerre du Yom Kippour, qui est un autre close call. On a une troisième fois, une quatrième fois, tranquillement. Calvaire. On passe au suivant. Puis là, lui, il n'y avait pas le téléphone rouge qu'on venait d'installer après l'affaire à Cuba non plus. Oublie pas que ce que je te raconte là, c'est une guerre en cours. Là. Ouais. Il y a des milliers de morts, puis ça va mal, puis ça se peut qu'on perd. Ouais. Le contexte est encore pire. Là. Un autre close call, le 26 septembre 1983, en URSS, c'est Stanislav Petrov, qui était un lieutenant-colonel en charge justement d'un radar de détection d'armes nucléaires, semblable à ce que le NORAD que je vous ai présenté au début. Oui. Dans le fond, qui était orienté vers l'Europe et vers le pôle Nord, il a détecté un lancement de missiles général en provenance des États-Unis vers l'URSS. Tous ces ordinateurs, là. Bip, 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 bip. Tout le monde autour de lui disait « Oh, ça y est, c'est le jugement dernier, hein, Judgment Day. » Fait que leur procédure d'engagement, c'était automatiquement d'envoyer le message au headquarters soviétique. Il y a des missiles nucléaires qui s'en viennent sur nous. Donc, activer la réplique, qui est la guerre nucléaire. Oh, lui, il y avait un protocole à suivre. S'il avait été un robot à la place d'un humain avec des ressentis, ben, peut-être qu'on se parlerait pas toi puis moi sur Internet. Là. Exactement. Stanislav Petrov a fait « fuck off ». Il n'a pas suivi le protocole. Ah, imagine ce qui se passait dans la tête de ce gars-là. C'est fou. Il a donné une entrevue. C'est la photo qu'on voit. Ce qui est encore pire dans son histoire à lui, puis aussi pour le gars du sous-marin de tantôt, c'est que de toute la période de l'Union soviétique, ils n'ont jamais été reconnus. C'est toutes des choses qu'on a apprises dans les années 90. Je comprends. Ouais. Comme le gars qui a fait L'autre est mort avant que l'URSS finisse. Éventuellement, il y a eu des prix, puis il a été reconnu, puis ça. Mais à leur époque, là, il a fallu qu'ils se ferment la gueule. Puis c'est logique. C'est logique. Le gars, il n'a pas respecté son pipeline. Il n'était pas supposé réfléchir. Là. Il y a une machine qui a fait bip, bip, bip. Il était supposé pitcher des missiles. Puis personne n'est fertile. Là.
une erreur informatique. Puis c'est ce qu'il y avait gâté, là. C'est une erreur informatique. Prenez pas ça en compte. Il a juste comme resetté la patente, puis il a sauvé le monde. C'est quoi tu disais, Stéphane? En plus de ce que tu dis, qu'il n'a pas suivi la chaîne de commandement, mais en plus, ça fait très mauvais dans les relations publiques quand tu dis à ta population qu'on est passé à deux doigts de se faire exploser officiel, tout le monde. Là. Officiel. Ça passe mal, généralement. Ouais, donc, officiel. Surtout quand t'es autoritaire, t'es supposé être en contrôle de tout, puis leur montrer tout le temps que ça va bien, puis Je suis sûr que du côté américain, ou même chez les autres puissances nucléaires, il y a des situations semblables là, qui se sont produites. Ignore toujours, là, tu sais. Ouais, il y a un beau documentaire sur lui, ça s'appelle « The Man Who Saved the World ». Je vous conseille de l'écouter, c'est vraiment cool. Bon, ça, ouais. The Man Who Saved the World. Bravo, merci, Stan. Je te dois un shooter, oui. Là, si on se croise à un moment donné. Hein. 83, j'étais là, en plus. Hein. Oui, oui. On a ici, de 1950 à 2020, ça, c'est les chiffres qu'on a après, là, comme à jour. Je vous avais parlé le Missile Gap sous Kennedy, là, qui pensait que les Soviétiques étaient dominants. On se rend compte, avec du recul, que c'était pas le cas. Si tu regardes pendant toutes les années 50 et au début des années 60, les Américains avaient une supériorité. Ça, c'est le nombre de têtes, by the way. Là. C'est kiff-kiff. C'est le nuclear warhead. Okay. Les missiles nucléaires, chaque missile en a généralement une dizaine dessus. Là, parce que c'est des MIRV qu'on appelle, là, ça se détache en morceaux. Ouais. Donc, on voit l'espèce de pyramide. Là, que jusqu'à la chute de l'URSS, les Soviétiques bâtissent plusieurs armes nucléaires. Il y a eu des tentatives, parce que là, tu sais, avec tous les accidents que j'ai mentionnés, puis le risque, à partir de 1972, mais 1968, il commence à y avoir des vraies volontés de « Hey, guys, faudrait faire de quoi avec ça, puis tu sais, inverser la tendance. » Tu as le traité de non-prolifération nucléaire en 1968, ce qui s'appelle SALT 1 puis SALT 2, qui sont des vraies négociations entre le gouvernement, les présidents américains et soviétiques, tu sais, assis face à face sur une table. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais c'est quand même significatif et ça a eu des résultats. Puis c'est là qu'ils se sont mis à enlever beaucoup de systèmes. Tu sais, ils gardaient des armes nucléaires, mais ils en enlevaient beaucoup au fur et à mesure. On voit surtout les Américains, là, ça l'a baissé pas mal. Okay, ils se rendaient compte simplement que ce n'était pas nécessaire d'en avoir autant. Ouais. T'as quand même eu un pic là en 87 de 61 682 têtes. Au total, entre ces deux pays-là, là, on ne tient pas compte mettons, d'Israël qui commence à en avoir, peut-être la France aussi à cette époque-là. Quoique c'est négligeable, eux c'est des petits nombres. Là. Ça n'aurait pas changé le graphique beaucoup. OK, je comprends. Ça ne dépasse pas le 100, là. Ouais. Vraiment l'URSS et les États-Unis. C'était plus d'un statement de contrôler la technologie au cas où, puis là, eux autres, ils ont perdu le contrôle. Exactement. C'est rendu une industrie de fabriquer des bombes. C'est pas correct. Puis on sait de nos jours que, mais même les Américains n'étaient pas sûrs à l'époque, c'est que jusque dans les années 60, les Soviétiques, leur arsenal de missiles nucléaires, il y avait beaucoup de problèmes au lancement, puis ils prenaient du temps avant de pouvoir être lancés. T'sais. OK. Il y aurait eu une guerre nucléaire, probablement que les Américains l'auraient gagné. Mais ça, même les Américains ne pouvaient pas être sûrs. Ça, on le sait avec les archives depuis. Là. Ouais. Les Américains, eux, ils ont développé à partir des années 60 le Minuteman. C'est un missile prêt en une minute. Tabarnak, hein? C'est entre le moment que tu dis « OK, je tire mon missile ». Ouais, ouais. Tu pèses sur ton bouton, puis en une minute... Il manque d'explosion nucléaire, j'en ai besoin d'une, là. Tabarnak. Exactement. Ça, c'est le Minuteman. C'est le plus rapide qu'ils ont réussi à créer à date. Puis on s'éloigne de Sun Tzu, là, aussi, à un moment donné. Là. Si tu crées des bombes partout... Sun Tzu prêche la modération dans la manière dont on fait la guerre et de conserver une forme d'harmonie. Au contraire, en fait, tout ce que Jason décrit, l'évolution de la pensée stratégique nucléaire,
avec la dissuasion mutuelle, le contrôle des armements pour essayer de gérer un peu la course aux armements entre les deux. C'est très Sun Tzu, puis c'est très Clausewitz comme manière de penser. C'est de gagner la guerre sans la faire, faire des... Ouais, exactement, c'est ça. Ben, maintenant, il faut que tu développes des moyens de gagner tes guerres sans la faire, comme tu dis. C'est exactement ça. C'est très Sun Tzu, la stratégie militaire. Mais ce que je voulais dire, c'était, mettons, pitcher plein de bombes à quelque part, oui... Mais ça va tout torcher. Tu peux plus aller te servir de ces pays-là. Tu viens de tout détruire le paysage. C'était plus dans ce sens-là que je voulais dire, mais je pense qu'on était d'accord, mais j'aime beaucoup ça, ce qui se passe. Je suis content. C'est la première fois quand je parle de la guerre nucléaire et quelqu'un me dit « j'aime ça ce qui se passe ». Ben, on est en 2022 aussi, peut-être. J'ai mis une photo, un exemple. Ça, c'est en 1987. C'est entre Reagan et Gorbatchev. Hein. On reconnaît Gorbatchev avec sa tâche. Donc, Gorbatchev était le secrétaire général de l'URSS. Ça, c'est pour retirer. En fait, il y avait beaucoup de... Il appelait ça les missiles intermédiaires ou les euromissiles. C'était des missiles exclusivement pour faire la guerre nucléaire en Europe. Donc, ils se sont entendus qu'il y en avait trop, ça causait des craintes pour rien, puis qu'on n'avait pas nécessairement besoin de ça si on a des sous-marins puis des missiles intercontinentaux. Donc, ils ont signé un traité pour s'engager à les retirer. Mais tu retrouves ce même genre de photos-là pour les autres traités qu'on a vus sur mon tableau tantôt. Là, c'était des gros événements internationaux qui passaient à la télé. Et il y a toute une littérature là, autour de chacun de ces événements-là. C'est les grosses tentatives crédibles de ces superpuissances-là de peser sur le break, là, qui est un peu l'inverse de ce qu'on parle depuis tantôt, qui est de peser sur l'accélérateur. C'est ça que je note moi aussi. Là, c'est, depuis le téléphone, genre, ils ont dit « on se parle pas », mais là, ils ont dit « peut-être qu'il y a trop de missiles pour tuer tout le monde ». C'est le fun de donner des jobs à du monde. Trois ans après ça, l'URSS s'écroule. Donc, tu sais, ça se divise en plusieurs morceaux. 1994, on va aller voir un reportage. Année cruciale dans les. On va aller voir un reportage vraiment cool sur le. Dans le fond, c'est encore dans la lignée de ces traités-là que je parle. L'Ukraine, au moment de la dissolution de l'URSS en 91, l'Ukraine avait le tiers des. En fait, devenait la troisième superpuissance nucléaire dans le monde. Ah, parce qu'il pognait le tiers. Le tiers de l'arsenal soviétique était basé en Ukraine, et notamment tout ce qui était la construction de ces armes-là. Hey, c'est capoté, ça. C'est peu connu, là, mais les usines qui fabriquaient les missiles, c'était à Dnieper, qui est une ville qui fait beaucoup les manchettes en ce moment, ces temps-ci. Ils se sont retrouvés avec cette espèce de grosse patate chaude-là. Oui. C'est OK, on est maintenant un pays avec, tu sais, comme semi-banqueroute, là, l'Ukraine en 1991, et on est la troisième superpuissance nucléaire. On est la troisième puissance nucléaire dans le monde. Faut faire de quoi avec ça, tu sais. Puis là, tu avais. On sait pas comment nourrir notre monde, on manque d'école, mais on a des missiles. C'est soit qu'on l'assume ou là, ils vont se faire offrir, en fait, c'est de l'argent et des garanties de sécurité. C'est ce qu'on écoute à l'instant. C'est un peu à la source de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Oui. Parce probablement que s'ils avaient gardé le missile nucléaire, ils se feraient pas achaler par Poutine. Peut-être. Probablement. L'existence de l'Ukraine, tout juste indépendante. Le pays renonce à son arsenal nucléaire. Bravo. Les Ukrainiens n'étaient pas attachés à leurs armes nucléaires. Ils étaient attachés à la reconnaissance par les pays occidentaux de leur existence. Une rétrocession acceptée sous la pression des États-Unis et du Kremlin. En tout, 176 missiles intercontinentaux et 1500 ogives nucléaires sont cédés à la Russie. Un pas important pour la sécurité en Europe a été franchi, commente la France. En effet, l'Ukraine, troisième puissance nucléaire mondiale, renonce à son arsenal en contrepartie du soutien financier. Ça me semble la chose adulte. Quoi qu'en même temps, t'es laisse aux Russes. Découlant de la guerre froide. La petite phrase de Boris Yeltsin lors de la signature de cet accord ce matin illustre bien la politique russe. Fin de la guerre froide? Pas vraiment, selon Anne de Tinguy. Ça fait même pas longtemps. Il y a des tensions entre 28 ans. On est dedans, là. Des tensions qui ne vont en définitive pas cesser pendant 30 ans.
Malgré ces tensions, l'Ukraine voit en ses armes un formidable moyen de pression. Et Bill Clinton, là, il n'y a pas longtemps. Ben c'est ça qui m'a fait dire ça, c'est Bill. L'Ukraine a accepté sagement de démanteler son arsenal nucléaire. Mais 28 ans, c'est vrai. Elle est récompensée. La Russie lui offre gaz et pétrole. L'Amérique lui tend la main. Soutien économique et logistique pour ce pays ruiné de l'ex-URSS, mais aussi et surtout une reconnaissance de son intégrité territoriale, autrement dit de ses frontières. Un accord confirmé par la signature du mémorandum de Budapest quelques mois plus tard. Là où il y a un bémol, c'est que tout est bien sur le plan politique, mais il n'y a pas d'engagement contraignant si par hasard ces garanties ne sont pas respectées. Eh bien, lorsqu'elles n'ont pas été respectées, c'est-à-dire lorsque, en 2014, la Russie a annexé la Crimée et qu'elle est intervenue quelques semaines plus tard dans le Donbass, eh bien, l'Ukraine n'a pas pu obtenir que référence soit faite au mémorandum de Budapest. Volodymyr Zelensky a aussi déploré le non-respect de ces accords, comme en février dernier, lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Aïe, ça, moi, j'ai envie de parler là-dessus, là, ça me fait chier. Il y a un traité, ça n'est un vrai. Là. C'est pas comme l'affaire de non-prolifération de l'OTAN que ça a été halluciné. Là. Ça, c'est un vrai traité. Là. Voyons, sacrement de style. Ça, c'est au même moment qu'il y avait les événements qu'on vient de voir dans le documentaire. Là. Tu viens de me mettre en tabarnak. Ah, on n'a pas fini, on a autre chose aussi pour nous mettre plus en tabarnak. Oh oui, au même moment, c'est vraiment drôle. John Mearsheimer, qui n'arrête pas d'être cité ces temps-ci. Là, tu nous l'as montré. Lui, c'était le néo-réaliste. Là. Néo-réaliste. Exactement. Hey, bravo, Tommy. Wow. Ah, j'ai une bonne mémoire. Je vois ça. Ça, c'est dans Foreign Policy en 93, là, au même moment là, qu'ils sont en train de négocier là, d'enlever les armes nucléaires en Ukraine. Mearsheimer, il dit hey, « Wow! » Puis là, c'est ça le titre. Hein? « The case for a Ukrainian nuclear deterrent ». Je fais ici le champion. Là, il faut que l'Ukraine garde ses armes nucléaires si elle veut assurer sa sécurité. Parce que si elle perd ses armes nucléaires, elle va devenir très vulnérable aux ambitions russes. Il l'avait calé à l'époque en 93. Je ne sais pas à quel point je veux que vivre dans un monde que c'est juste les armes nucléaires qui te garantissent ta sécurité. Je ne veux pas donner raison à Kim Jong-un. Ouais. Mais je trouvais cette pièce d'archive là, quand même très intéressante dans le débat qui nous occupe en ce moment. Parce que là, tu sais, en 2022, Mearsheimer dit... Et là, la Russie a envahi l'Ukraine parce qu'il était trop proche des Américains et de l'OTAN. L'OTAN, blablabla. Puis ça a été, écoute, là, il y a un article qui a été partagé par Steph l'autre fois. Il y a un gars qui... Boris Elstine... Gorbatchev, il dit qu'en faisant les deals, ils n'ont pas parlé jamais de l'OTAN parce qu'il n'y a personne qui était équipé pour ça. C'est un mythe, c'est de la désinformation de mêler... l'expansion de l'OTAN, l'espèce de volonté de Poutine. La semaine passée, on a vu quelqu'un qui disait « Poutine n'avait pas le choix d'attaquer l'Ukraine, sinon il aurait passé pour un faible. » C'est-tu que c'était pire? Voyons qu'on est rendu à penser ça. Ils ont dit... Encore pire, il me semble que tu nous l'as montré, ou en tout cas, moi j'ai ramassé ça dans ma chasse au conspi, ou à la géopolitique conspi, qui est de dire que le traité de 1994 a été violé par les Ukrainiens parce qu'ils n'arrêtent pas d'écœurer les Russes du Donbass. C'est comme tu vires à l'envers. Tu prends le truc, là, puis tu le mets carrément sur la tête. Là, c'est le weaponize à ton goût. Là. C'est de voir ça, de voir comment ils peuvent... Je parle même plus de travestir les faits, je parle des carrément de dire que la Terre tourne autour de la Lune. Là, Je suis pas de moins en moins en tabarnak, Jason. Non, c'est pas le but de ce soir. Non. Je veux juste citer Enfant des tunnels dans le chatroom de Douteux TV qui tantôt a dit... Parce que on avait dit au début que les bombes nucléaires sont venues avant les moteurs nucléaires. Oui. Il m'a vraiment fait rire parce qu'il a dit les moteurs à explosion sont venus avant les bombes, ce qui est pas
factuelle, mais je la trouvais vraiment bonne quand même. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, non, mais ça me met pas moins en calice. Merci, enfant des tunnels. Ouais, tu vas être de plus en plus en crise à partir de maintenant. Là. Ça va bien rough, là. OK. Je vais aller chercher cet article-là, là, celui dont tu nous as parlé de Marshall Hammer. C'est ton fameux article là, sur l'arme nucléaire et le garant de la paix. Hey, la logique de la prolifération, c'est... Oui, c'est exactement ça. Tu l'as très bien dit, Tommy, c'est exactement ça. Ben c'est lui qui a écrit. On parlait tantôt des armes nucléaires des autres, là. C'est exact. Tu sais que Stéphane te disait que c'est négligeable, ben tu l'as exactement. Ça, c'est en 2010, si je me souviens de mon tableau. OK. Tu vois que c'est. Tu sais, les autres pays là sont pas dans le même game pantoute, là. Parce qu'à gauche, t'as la Russie et les États-Unis. La Russie en a 6257, les Américains en ont 5550. Après ça, le plus proche, c'est la Chine avec 350. En tout, le total, il y aurait 13132 têtes nucléaires à travers le monde, dont 45 peut-être. L'Israël et la Corée du Nord sont pas sûrs. Là. Et deux pays qui stressent pas mal. Moi, je me rappelle au début des années 2000, ils en parlaient beaucoup. Entre l'Inde et le Pakistan, il y a des grosses tensions. Puis c'est deux depuis pays longtemps. Oui. L'Inde a d'ailleurs acquis l'arme nucléaire en rétrofitant des réacteurs nucléaires que le Canada lui avait donné. Wow. Ouais, ça a pris bien longtemps avant que l'Inde et le Canada se parlent de nouveau après que les Canadiens ont découvert ça. Ottawa est en tabarnak contre Sacrément, ben oui. Puis cette guerre-là aussi, entre le Pakistan et l'Inde, c'est quelque chose de totalement restant de l'impérialisme. Là, parce qu'avant, c'était les Indes. Le Pakistan faisait partie de ça. Puis là, depuis, ils chicanent pour le Cachemire. C'est un restant de cossin entre les deux patentes. C'est des plus des guerres de religion. Voilà. Les musulmans puis les hindous. Allez voir sur YouTube. Ils ont comme une espèce de rituel militaire qui vont changer la garde au poste. Puis c'est plein de spectacles. Puis ça a l'air d'être un cirque, là, tellement que les gars, ils font leur patente. Mais j'essaie d'être un peu moins en tabarnak. Mais là, check, on voit en haut à droite 13132. On est à 5-6 fois moins que ce que tu nous as montré tantôt, le pic en 87. Ça, j'aime ça. Oui. Et il y a de l'espoir. Il en reste pas mal. Passe au suivant. Ah ben oui. Non, il en reste un hostie de paquet, là, on s'entend. Non, mais c'est, il y a une amélioration. Là. Ça va dans la bonne direction. Oui, exactement. Et ce nonobstant, l'espèce d'idéologie néo-réaliste de Marshall-Mushinger reste vivace quand même, parce que t'en as besoin de 1, 2, 3, 4 pour que ça fasse partie de la game quand même. Tu sais. Alors, juste en passant à l'Iran qui essaie d'en avoir. Puis, Ben oui. Justement, c'est ma slide suivante. Je ne pouvais pas attends un peu, Jason, parler de la guerre nucléaire sans mentionner l'Irak en 2003. Là, ce qu'on voit à l'écran, ça, tout le monde s'en souvient, non? C'est le secrétaire d'État des États-Unis, Colin Powell, qui s'en va à l'ONU mentir pour dire que l'Irak est en train de développer des armes nucléaires. Oui. Puis pour build le case up de on va envahir un État souverain. Et moi, j'ai fait toutes les manifestations contre cette guerre-là et c'était vraiment. C'était d'un cynisme épouvantable. Ah oui. Et c'était dans la logique de on veut prévenir une autre dictature possède l'arme nucléaire. Ouais. C'était ça leur casus belli. Là. OK, attends un peu là. C'est le spectre, encore une fois, de cette arme ultime-là qui a été weaponisée. C'est même pas l'arme elle-même, là. C'est. Peut-être que ça va arriver. OK. Oui, c'est ça. C'est préemptif. C'est avant que ça se produise. Ouais. La guerre préemptive. Moi, je me rappelle, là, ils nous montraient. Puis, écoute, je n'étais pas très politisé à l'époque. Je ne me considérais pas encore très politisé non plus. Mais il y avait des photos de camions, de trailers de camions vus de haut de l'espace. Ils disaient « Ah, ça, c'est des laboratoires. Il faut qu'on aille pitcher des bombes là-dessus. » Puis quand ils ont présenté le cas à l'ONU, les bateaux pleins de militaires étaient déjà en train de s'en aller. Fait que, OK. Hey, en fait c'est encore... Moi, ce que je me rappelle surtout, puis je trouve qu'il y a trop de monde qui a oublié ça, c'est que t'avais... Puis c'est encore là, c'est les néo-réalistes qui ont raison.
dans le sens comment le monde marche, c'est que moi, je me rappelle très bien à ce moment-là. Ça, c'est l'hiver. Là. Ils ont envahi au mois de mars. Tu avais les inspecteurs de l'Agence atomique de l'ONU, Andy Blix, puis cette gang-là, que leur job, c'était de fouiller, là, tu sais, comme des inspecteurs Hercule Poirot, là. Ouais. Fouiller chaque recoin de l'Irak à la recherche de preuves qu'ils ont des armes de destruction massive, des armes chimiques, des armes bactériologiques et des armes nucléaires, ou des programmes pour en construire. Et ils n'arrêtaient pas de répéter, on fouille partout et on trouve rien. C'est vrai. Puis, les autres pays voulaient jouer la game diplomatique. Plutôt que de dire, les États-Unis, vous êtes une gang de menteurs. C'était, OK, mais on va attendre. T'sais, c'était la position du Canada. Là. On va attendre les rapports de l'inspecteur de l'ONU. Puis c'est si logique, parce que pourquoi qu'on envoie des inspecteurs? C'est pour avoir un rapport, pour s'y fier. Si les inspecteurs vous disent que, ah, ben finalement, il y a des armes nucléaires, ben là, peut-être qu'on va dire oui à l'invasion. Puis s'ils disent qu'il n'y en a pas, ben là, on va dire non. Mais tu sais, tout ce temps-là, les États-Unis, ils s'en foutaient. C'était le build-up. Et tu étais impressionné par les porte-avions autour de Cuba tantôt. L'invasion de l'Irak, c'était un des plus gros déploiements militaires là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là. C'est round the clock. Je pense que le comment ils appelaient ça? Donc, c'était le shock and awe? Oui, le choc et la stupeur. C'est le choc et la stupeur en français. Là. C'était une grosse opération aérienne. En 24 heures, ils contrôlaient totalement l'espace aérien de l'Irak. Là. Tout ça, c'était se servir de l'ombre de la menace nucléaire. Le spectre d'un démon qu'ils avaient eux-mêmes créé après avoir utilisé le spectre de ce démon-là pour le créer. Je capote, man. C'est vraiment... Moi, je vis un cocktail, là, checker, c'est un petit aparté pour les fans de Douteux TV. J'ai mis une playlist en background de ce qu'ils jouent, de 30 bonnes trames sonores de PlayStation et checker. Pendant que tu étais en train de me dire ça, après que j'ai dit que j'étais en tabarnak, c'est la trame sonore d'Alundra qui nous joue en background depuis tantôt. Fait que peut-être ça l'aidera pas mon mood. Ça prend un autre côte, cette guerre-là, là, totalement. Oui, puis... Tu rajoutes juste une petite footnote, juste Jason, ah, avant écoute, qu'on ait plus loin. Au complet, là. Je t'ai pas invité pour des footnotes, Stéphane. Là. C'est notre ami... Je reviens toujours à notre ami Mushammer, dont on parle depuis tantôt, ben de oui. ce théoricien qui est l'apôtre de la stabilité nucléaire ou de l'équilibre de la terreur. Au cours de la guerre en Irak, il va avoir une position qui est très cohérente avec sa pensée, sa théorie, si tu veux, ou sa vision du monde, mais qui va l'amener à affronter l'administration Bush dans le sens où lui et un autre de ses collègues qui est dans la même école de pensée, réaliste, néo-réaliste, là, cette gang-là, il va dire « Non, il ne faut surtout pas envahir l'Irak, parce que même si Saddam Hussein est une ordure, puis une crapule, puis un dictateur, c'est notre dictateur, c'est notre crapule à nous, c'est notre ami. Fait qu'on fera pas la guerre à quelqu'un qui sert nos intérêts américains au Proche-Orient, alors qu'on a personne pour le remplacer. Puis même si on bat l'Irak militairement, on n'aura pas d'autre régime sur lequel s'appuyer à part Israël. T'sais. Et donc, Mersheimer disait à l'administration Bush, il disait, mais faites pas ça, vous allez contre les intérêts des États-Unis en vous en prenant à l'Irak. deux écoles de pensée, les néoconservateurs autour de George Bush qui veulent s'en prendre à tout prix à cette dictature-là qu'ils détestent. Et de l'autre côté, les réalistes qui, par leur logique très machiavélienne, là, on parlait de Machiavel la semaine passée, vraiment dans la logique de Machiavel, qui est de dire non, il a beau être une ordure, c'est mon ami ou c'est mon intérêt de le maintenir en place. Ouais. Fait que choisis ton camp finalement, Tommy, t'sais. Aïe. Puis, mais là, on est comme aussi, sans rien simplifier, si on est après la Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs comme camps qui se sont faits. Tu sais, nous, le Canada, tout le Commonwealth, il y a plein comme de familles planétaires, gouvernementales qui se sont comme installées plus ou moins avec le temps. C'est comme plus insidieux, genre, c'est plus... Tu sais, c'est plus... Tantôt, Jason, tu nous as parlé de la dernière guerre de tanks avant celle de l'Ukraine qu'on vient d'avoir là. C'est plus...
c'est ce que je pourrais faire pour te faire chier, plus autant que ce que je vais faire pour te faire chier ou ce que je suis en train de faire pour te faire chier. J'ai l'impression qu'il est rendu avec tellement d'humains partout sur la Terre que le concept de all-out guerre, c'est plus quelque chose qui va exister de la même manière. Probablement que c'est la guerre de la terreur du... Tu sais, l'ennemi, c'est la peur à cette heure, genre, depuis le 11 septembre, ces affaires-là. Je sais pas, je pitch des mots, continue. Ouais, la guerre en Ukraine est très conventionnelle. Oui. Elle ressemble pas mal à la Deuxième Guerre mondiale, la façon dont c'est fait. Le gros élément nouveau, c'est les drones, là. Oui, puis le TikTok. Ouais. En fait, c'est la propagande qui se fait d'un tout autre niveau. Il y a des bénévoles. Je connais un Alexis Koresh-Trudel qui est en train de payer son loyer parce qu'il fait de la bonne propagande pro-Poutine. Mais Tommy, tu aurais un ami qui s'appelle John Mueller et qui, justement, a développé cette idée-là de l'obsolescence des grandes guerres. Lui, il considère que la Première Guerre mondiale et son prolongement dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est les dernières grandes guerres comme ça. Je pense qu'il faisait la comparaison avec d'autres institutions comme le duel, qui a disparu à toute fin pratique comme mode de résolution des conflits, ou encore comme l'esclavage, ben, il dit ben les grandes guerres, c'est la même chose, c'est passé de mode, c'est plus... Ça ne correspond plus à notre stade où on est rendu dans l'humanité. Là. Ah, c'est... Ben, t'es pas tout seul à penser ça. En tout cas, les pro-Poutine sont débarqués dans le chatroom. C'est quand même amusant à regarder en ce moment. Pour vrai, il y a des pro-Poutine dans notre chat sur Douteux TV. Oui, c'est la guerre est pognée dans le chatroom. Là. Ben non. On passe au suivant. J'ai pas le temps de m'occuper des autres. Ben non, on s'en fout. Ah, il y a Papa Yvon qui dit c'est un écran de fumée. Ils étaient autorisés à aller où ils savaient à l'avance. Pas trop avec ça, Tommy. Ah, oh, tabarnak, ça peut être long. Merci, merci. Peut-être que je peux juste lancer un gros shout-out et mighty respect aux modérateurs bénévoles qui font que cette chaîne-là peut rouler. On a deux cerveaux qui connaissent ça, qui ont étudié ça, que c'est une passion, qui sont reconnus par leur père, qui sont en train de nous parler. Leur opinion vaut plus que M. Anonyme dans le chat, selon mon ressenti. Jason, t'es encore en crise. Hey, c'est ça, c'est l'appetizer. Check bien le plus souvent. Oh, fuck you, Collis. Ouais. OK, c'est bon. On arrive à la fin, là. Colin Powell, me semble qu'il avait l'air gentil, lui. Je sais pas. Oh, il l'était, à part cette fois-là. Armes oui. nucléaires défensives et offensives, le sol, en mer et dans les airs. Avec les Américains, les Russes sont les seuls à disposer de tout l'arsenal stratégique. Moscou compte même le plus grand stock d'armes nucléaires au monde. Selon l'observatoire CIPRI, il se composait l'année dernière de 6255 ogives, un peu plus que son rival américain. Les deux pays disposent à eux deux de 90% du stock mondial. Plus de 1600 missiles russes seraient actuellement déployés. Cela signifie qu'ils sont prêts à être tirés rapidement par l'armée russe. C'est dégueulasse. Parmi cet arsenal, il y a l'effrayant RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par l'OTAN. La plus grosse arme intercontinentale jamais conçue. Selon les autorités russes, son rayon d'action dépasse les 10 000 corvette, kilomètres. Il pourrait détruire un territoire d'une taille égale à la France. Quoi? Mais comme les pays disposent de la puissance nucléaire, russe a l'effrayant RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par l'OTAN. La plus grosse arme intercontinentale jamais conçue. Je te reviens. Selon les autorités russes, son rayon d'action dépasse les 10 000 kilomètres. Il pourrait détruire un territoire d'une taille égale à la France. Mais comme les pays disposant de la puissance nucléaire, Moscou s'en sert avant tout comme une force de dissuasion. Ces armes dévastatrices risquent désormais d'être déployées en dehors de la Russie. L'allié biélorusse vient de réformer sa constitution en autorisant la présence de missiles nucléaires sur son sol. Pas seulement de la dissuasion. Nous savons ce que cela signifie pour la Biélorussie d'être nucléaire. Cela signifie que la Russie mettra des armes nucléaires en Biélorussie et c'est une voie très dangereuse. Il a raison. Les récentes déclarations de Vladimir Poutine, sous-entendant une possible utilisation de l'arme nucléaire, ont fait monter d'un cran les tensions. En 2014, déjà lors de l'annexion de la Crimée, le président russe avait fait référence à son statut de puissance nucléaire pour décourager toute riposte. Calme. Toi, pas suppose. On va aller. Je suis pas moyen en tabarnak.
C'est le final de la soirée. Je suis allé en grand. C'est sorti hier. Vous savez, je suis rendu un abonné de Russian One. Rendu mes préférés. C'est ma dose de sauce quotidienne. Là. C'est vraiment débile. C'est la chaîne d'État russe. C'est leur Radio-Canada à eux. Là. Donc, on va écouter qu'est-ce qu'ils ont dit hier de Russian One. Attachez votre tuque. Tommy, si t'es capable de faire... Je l'ai pas trouvé en français, malheureusement. Là, c'est des sous-titres en anglais. On pèsera pause, on va... Ni Amérique. Ça vaut la peine. Pas les États-Unis, parce que ce serait vraiment très, très, très dommage pour eux d'être frappés en contre-attaque. Mais l'Angleterre frappe le pays sur lequel il est coupable de génocide. Et c'est vraiment très, très, très dommageable pour les pauvres... Et hop, ben oui, ça fait de la peine à pauvre Zelensky. C'est aussi devenu très clair qu'on a réussi à débarrasser l'Ukraine de quelques instructeurs anglais d'Angleterre. Ce qu'il dit, c'est que... Excuse, Tommy, je t'en prie. Parce qu'il manque le contexte, vu que moi, je l'ai déjà vu, je vais y aller. Dans le fond, là, ce qu'il est en train de dire, c'est que là on a trouvé des... C'est que dans les morts ukrainiens, là, pendant la guerre, là, on a trouvé des instructeurs britanniques dans les cadavres. Fait que là, on sait que les Britanniques ont leurs soldats avec l'Ukraine. Ça, by the way, il n'y a aucune façon de vérifier. Là, puis ils comptent tellement des mentries tout le temps que... C'est pas vraiment important si c'est vrai ou pas. Ah oh ouais, on a trouvé une pile de cadavres. Il y avait deux Anglais. Ça veut dire que les Anglais sont en guerre contre nous autres. Une puissance nucléaire. C'est quoi, vous êtes dans l'OTAN? On peut faire pitié si ça vous tente. Please, please. Инструкторов на территории Украины. И Британия, обладающая ядерным оружием, наносит... La Grande-Bretagne a des armes nucléaires qui pourraient nous attaquer avec des armes nucléaires. Voilà. Почему? Вот она может. Они не могут делать это сами, это требует разрешения. Без американцев. Может, почему? У них корабль один. Без американцев. Продолжай. У них есть свое ядерное оружие. Non, non, les Britanniques ont leurs propres missiles nucléaires. Les Britanniques et la France ont leurs propres armes nucléaires et les véhicules pour les envoyer. Donc, hypothétiquement, la meilleure option pour les États-Unis, ce serait de... Peace pause. C'est complètement débile. Il dit la meilleure option pour les États-Unis, ce serait de convaincre les Britanniques d'envoyer des armes nucléaires sur nous. Et nous, on va répliquer sur les Britanniques. Et ainsi, les Américains se débarrassent de leurs rivaux russes et britanniques. Display. Dude. Puis genre, c'est comme leur... Ils ont trouvé deux cadavres avec des affaires anglaises dans leur patente. On est rendu à All War nucléaire. Je capote. Comment on dit ça, coupe le câble en russe? Oui. C'est une bonne question. Le gars, il dit, est-ce que les gens sont capables de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Boris Johnson? Ben non. Regarde bien quand tu vas baiser sur play, il va te l'expliquer, lui. Et là, l'article 5 de NATO, l'article 5 de l'OTAN, c'est que ça dit que si un pays de l'OTAN se fait attaquer, il faut que toutes les autres répliquent. Là, il dit, ben non, mais l'article 5, c'est seulement dans la défense. Mais là, moi, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les Britanniques vont nous frapper en premier. Ben oui, parce qu'il y avait deux cadavres anglais dans la pile qu'ils ont trouvé là-bas. Ce qu'il dit. Donc, il dit les Britanniques vont nous attaquer en premier. Ça, l'article 5 de l'OTAN ne s'applique pas. Parce que c'est pas un pays de l'OTAN qui s'est fait attaquer. Je capte pas. Ben oui, c'est complètement faux. Là. C'est pas de même que ça marche. Là. Mais c'est comme ça qu'il l'explique aux Russes. Là. Tu peux. Il dit les Britanniques vont faire le first strike nucléaire sur nous. Nous, on va être obligés de répliquer en attaquant les Britanniques. Pas le choix, sinon. Et dans les Américains, il n'y aura pas besoin de s'en mêler, puis ils vont avoir réglé leurs deux rivaux. Explique. Je capote, man. Ah oui, Fox News, là, c'est... Je capote. C'est, c'est rien à comparer de Russian War. Le gars, il réfléchit. Si la Grande-Bretagne nous attaque en premier, il n'y a pas d'article 5. Parce qu'ils ont trouvé Jason Calvert. Tout ça commence parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé deux gars qui seraient affiliés avec un gouvernement, même pas sur le même bout de terrain. Je capote, asti. T'as même plus besoin
Tu peux retro-engineerer tes false flag attacks? C'est weird, là, 2022. C'est... Avant... Je ne pense pas que ça там найдутся люди, которые могут уверить. Ils n'ont pas des idées aux Britanniques. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas pensé. Il y a des gens qui pourraient les prendre au sérieux. C'est très possible. Pourquoi ils continuent à nous accuser de génocide? Où c'est que ça s'en va, cette histoire de guerre-là? En fait, c'est qu'ils pensent que la Russie peut être balayée de la surface de la Terre. Pourquoi ils nous accusent de génocide? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'on devrait tous mourir? C'est du judo d'arguments démagogues à chaque calice de tranche et corps. Là, tantôt, il y avait deux gars anglais dans une pile de cadavres. Fait qu'on peut pitcher des missiles dans tout le monde. Mais c'est correct, parce que ça, c'est l'équivalent russe de genre... Trump. Ça, je veux dire, c'est, on a eu quatre ans de Trumpistes à se faire servir des discours comme attends. Non, j'allais reculer, je repaisais pas. C'est bon. Regarde ce qu'il va dire. Juste après celle-là. Il dit, ils préparent l'opinion publique. Ils préparent leur... Ils étant l'OTAN, là. Ils préparent leur opinion publique pour prendre des mesures extrêmes contre la Russie. Mais Jason, on parlait de l'arme nucléaire, bien Jason, sûr. Jason, ça fait 40 ans que la Russie, c'est le méchant dans tous les films d'Hollywood. L'opinion publique est prête, là. Ils préparent rien, épais. Voyons, calvaire! Hostie de colis, je t'en tabarnak! Pendant toute la guerre froide, toute notre jeunesse, on s'est fait... ma jeunesse, on s'est fait dire que les communistes, les soviétiques voulaient nous envahir, qu'on allait se faire bombarder. Fait qu'effectivement... Je capote. On n'a pas attendu 2022 pour faire ça, là. Puis on dirait que ces idées niaiseuses-là ramènent tout le débat en arrière. On dirait que c'est pas les bonnes questions. On dirait qu'il a pas parlé des bonnes affaires. On dirait qu'il a pas utilisé ce qu'il y avait. Fuck, man. God, fuck you, man. C'était Chris Renbaff. J'allais vérifier, là. C'est même pas des cadavres. C'est que ils ont capturé à Mariupol. Tu sais, j'en avais parlé dans un épisode précédent. Là, il y a beaucoup de volontaires étrangers. Là. Oui. Ils ont capturé un Britannique, un guerrier TikTok, là, qui était à Mariupol. Ils l'ont capturé. Puis là, ils disent que c'est un agent britannique. N'importe quoi. Là, ce qu'on va aller voir, c'est le plan A. Ça, tu peux le laisser sur Play, Tommy. C'est quand même un petit peu long. C'est ma finale ce soir. C'est, tu vois, c'est une simulation d'une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Mettons, tu sais, une grosse guerre nucléaire, là, pas tactique. Là. En fait, ça commence par l'utilisation d'armes tactiques, puis ça va escalader. Il y a pas ça le plan A, là, parce qu'il y a le plan A, B, C, D, E. Il y a plusieurs simulations. Ils ont mis le plan A en vidéo sur YouTube. T'avais-tu pesé sur Play? Non. Ouais, pesé sur Play. Je te laissais traduire ça en parlant. C'est quand même slow, là. Vous verrez pas de... On n'est pas Bruce Willis dans Armageddon. On va parler par-dessus, tu veux dire. Ça va être des cartes, des... Ouais, c'est... Il y a un conflit... Il mentionne, il y a un conflit conventionnel dans un pays d'Europe. Et pour arrêter l'avance des Russes, l'OTAN utilise une arme nucléaire tactique, là, comme on avait vu tout à l'heure. Pour stopper l'avancée russe qui est en train de les... on voit la carte ici, là. Donc ça, c'est l'avion russe qui apporte... C'est un avion russe qui envoie une bombe nucléaire tactique sur une base de l'OTAN. On est en 2022, là, on imagine ça. Oui. OK. Là, tu vois, là, les avions de l'OTAN répliquent et envoient une bombe nucléaire tactique sur la base qui a envoyé le premier avion de tantôt. Là, t'as deux armes nucléaires. Donc là, c'est ça. Là, il va y avoir l'escalade. Puis, il va y avoir, dans leur simulation, là, ce qu'on va voir, c'est 300 missiles qui vont être utilisés à partir d'avions et de missiles tactiques. Puis que ça ferait, dans les trois premières heures du conflit, 2,6 millions de morts. Puis tu peux le laisser suppléer, Tommy. C'est quand même slow. Je capote parce qu'on est en train de penser en absolu. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir sur les croyances... Dieu, le reste, ce qui tente, puis
on est là-dedans aussi avec quelque chose qui est autant destructeur que la bombe atomique. C'est pas un peu de destruction quand tu fais sauter. Tu peux faire sauter des petites bombes atomiques. Ben oui, mais ben là, c'est sûr qu'ils ont un avantage. Ce qu'on voit qui saute en ce moment, c'est des bases. Là, c'est la gamme tactique. C'est qu'on vise les bases. Les bases nucléaires. Là, la logique, c'est que tu veux pas perdre ta base, ta capacité nucléaire. Et pendant que l'autre est en train de s'en venir sur toi, ben tu fais décoller tes propres affaires pour pas les perdre, tu comprends? Mais l'Europe est scrappée, Jason. Calme. Oh, ouais. Ben, on n'a rien vu, là. Ça c'est tactique. Hostie. Donc, les gars, il dit, avec l'Europe détruite, ça escalade. Là, c'est les sous-marins et les... Mais ça va bien, là. On fait plein de mesures économiques. C'est correct, là. On les fait chier, ça... Ils vont arrêter. Mais non, zoom-moi pas out, calice! Fuck! Pourquoi ils pètent des missiles sur le Canada? Ah, ça, c'est ce qui décolle des États-Unis. Toi, tu Montréal, décolles des États-Unis? Et la banlieue. Ciao, bye. Oh my fuck. Là, tu vois, c'est l'OTAN qui envoie en premier, puis là, pour pas perdre leur capacité nucléaire, ben, les Russes répliquent et envoient. Là, toute la sauce part. Fait qu'on est en DEFCON 3, la guerre froide n'est pas finie. C'est DEFCON 1. Ah non, c'est... Ça, c'est pas... 1 ou 5? On est 5. Ben là, on est dans le 5. On se peut dire missile, Jason. Ça va de 5 à 1, Tommy. Ah oui, oui, voilà, je comprends. 5, c'est le moins haut, ouais. Puis après cet échange-là, là, t'es dans le film Thread, là. Qu'est-ce que t'es content d'habiter en Argentine? Oh non. Hein? Fuck! Je veux pas habiter nulle part sur Terre après ça. Je veux pas habiter nulle part sur Terre après ça. Tu veux dans 85 millions de morts dans les 45 premières minutes. Ah, tabarnak. Moi, je serais dans cette gang-là. C'est pas vrai que je vais être comme... C'est quoi, c'est le film The Road, là? Avec les cannibales et ces affaires-là. Ouais. That shit, là. C'est Apocalypse post-nucléaire. Ben écoutez, moi, la première fois, un des premiers cours que j'ai donné, j'étais encore étudiant à l'époque, c'était un cours sur la guerre nucléaire, je remplaçais un prof. Puis à force de lire pour préparer mon cours, j'étais tellement déprimé qu'il a fallu que dans ma tête, je me dise qu'est-ce que je fais si jamais les sirènes se mettent à sonner, puis si on sait que dans 30 minutes, des missiles soviétiques nous tombent sur la tête, parce que c'était l'Union soviétique. Là. Ouais, t'essaies d'imaginer des... La seule manière que psychologiquement je pouvais me réconcilier avec mon sujet, là, c'était de me dire, OK, si jamais ça arrive, je monte sur le toit de l'édifice où j'habite, là, de mon bloc appartement, je me couche sur le toit, puis pendant une fraction de seconde, j'assiste à un spectacle extrêmement rare qu'aucun être humain a pu voir, l'explosion d'une bombe atomique au-dessus de ma tête. Officiel, ça va te faire de quoi jaser dans ta prochaine réincarnation. Je veux pas survivre un monde post-nucléaire, parce que c'était... Je comprends. Ça a l'air d'être plus un fardeau qu'un bonus, surtout quand on peut prendre une douche chaude. Quand ça nous tente, t'es pas en dictature. Hey, Tommy, t'as écouté Thread cette semaine? Ouais, ça m'a brassé. Il y a eu des plans... Parle-nous de ça, explique aux gens c'est quoi Thread. Ben, Thread, je pense que le titre en dit beaucoup, là, c'est qu'on habite une civilisation, on habite un système, c'est probablement le bon nom, c'est comme ça que j'ai appris à l'université quand que j'ai étudié l'animation. Et c'est pas vrai qu'il peut avoir, comme moi je viens de dire, c'est le fun d'être en Argentine parce que tout le monde, il meurt ailleurs puis les explosions sont ailleurs, mais c'est pas vrai parce que... comme Stéphane vient de le dire aussi, il y a des répercussions qui sont inimaginables et inconsidérables à survivre à un holocauste nucléaire. Ça ne veut pas dire que la vie va arrêter, ça ne veut pas dire que l'humanité elle-même va arrêter. Ça veut dire que tu ne pourras plus jouer à Zelda 1. Que tu pourras pas dire vite, faut aller au dépanneur pour s'acheter de la bière avant qu'il ferme parce qu'il va fermer bientôt. La vie va recommencer quand même. C'est pas mal setback à plusieurs niveaux. Là, mais au moins, Alexis, probablement qu'il pourra plus payer son loyer en partageant de la bullshit pro-Poutine. C'est très, très pertinent, rude. Merci, Jason. Là, il est gratuit sur YouTube si des gens sont intéressés. Là, ça a été fait par les Britanniques dans les années 80. C'est, je pense, le meilleur film de post
post-apocalyptique. Oh, on parle de là, Threads, là? Ah oh, oui, c'est très bien fait. C'est très bien c'est fait. C'est que, tu sais, le cinéma nous présente souvent la vie post-apocalyptique. C'est genre Mad Max Fury Road, là. Ouais. Mais en réalité, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est plus non. comme, genre, tout est un genre de gigantesque camp de réfugiés. Puis, ouais. T'es mieux de t'habituer à manger des rats, là. C'est un petit peu comme ça. C'est le film de Day After, qui date de 83-84, il était aussi... Moi, c'est lui que j'avais vu en premier puis qui m'avait aussi pas mal brassé, mais il est soft à côté. Ouais. C'est-à-dire, t'es juste comme... Juste à 2-3 portes de ta vie habituelle, tu sais. Ouais. Mais tout est détruit quand même, tu sais. Tu perds tes cheveux à cause des radiations, tout est désorganisé, mais... Ça ressemble quand même un petit peu au monde qu'on connaît. Ouais. Non, ça sera même pas ça. Dans Thread, ils l'ont mieux montré. Là. Moi, ce que j'ai aimé dans Thread, c'est qu'ils montraient même les enfants perdent le langage. Oui, il y a toutes sortes de répercussions. Avec... C'est super bien fait parce que Thread, ça a la prétention d'être un espèce d'article de journal d'entrefilet qui tient compte d'un bout à l'autre de quelque chose qui ne peut pas comprendre. Le film est sur YouTube. S'il y a un de nos précieux modérateurs qui peut mettre le lien vers Threads, c'est exactement comme Seb Lavoie l'a écrit. Messieurs, avant de vous laisser retourner vaquer à vos rapports d'impôts et vie de père de famille, j'aimerais ça qu'on regarde ici. Ça, c'est sorti très récemment. Ça a été éjaculé du cerveau d'Alexis Résurrect, qui est le vrai compte Twitter d'Alexis Cossette-Trudel, le plus nocif de tous mes concitoyens. Oui, on le sait. Oui, c'est lui. S'il y a un Alexis Cossette-Trudel présentement sur Twitter, c'est Alexis Résurrect. Il a écrit en haut, et j'aimerais ça avoir votre commentaire avant de passer à d'autres choses. T'as le début de l'ombre d'un preuve pour cette affirmation, Jean-Luc, où tu recraches la litanie médiatique habituelle, genre Trump est un agent russe ou le COVID, c'est les beaux-là. Et lui, ce qu'il dit, c'est « Il ne faudrait quand même pas oublier que le régime de Poutine est un régime qui assassine ses opposants à l'interne, donc encore pire que le régime de Trudeau. Les exaltés full pro-russe qui me bloquent, vous ne réfléchissez pas bien. » On est à ce niveau de guerre des croûtes à quelque part dans une réalité. C'est la guerre des croûtes, hein, parce que Jean-Luc Blackburn, il était dans la gang à Alexis avant. Voilà. Donc, les choses se passent. La guerre des croûtes. En train de se diviser sur qu'est-ce qu'ils pensent de Poutine. J'adore ça. Ouais, c'est inutile. Comme les anti-vax se divisent en pro-Poutine puis anti-Poutine. C'est ça qui se passe. Mais vois-tu ce qui nous montre que le Blackburn n'est pas tout. À faire entrer dans le régime Trudeau. La bonne voie, c'est de dire donc encore pire que le régime Trudeau. Non, mais... C'est pas nécessaire de préciser que le gouvernement Trudeau ou même le gouvernement Trump, si tu veux, est moins pire que celui de Poutine parce que les meurtres, les assassinats politiques, les thés empoisonnés, puis le polonium, ça marche pas ici. Là, puis... En tout cas, mais on espère que ça va rester comme ça. Récemment, ils ont dit... Il faut que Poutine est mieux. Bon. Puis récemment, ils ont dit à ceux qui sont allés parlementer, ils ont dit « buvez à rien, goûtez à rien », puis il y en a un qui a bu une affaire, puis il est revenu, puis il était malade. En même temps, c'est peut-être de la propagande, peut-être que je m'en fasse, je sais plus autres, les pros. Non, mais je trouve c'est ça... devenu un mime, là. C'est bon. les empoisonnements. Le truc, le journaliste qui avait fait... Tu te rappelles quand j'avais parlé les tours que Poutine, il avait fait son élection là-dessus, il avait bombardé des appartements, là? Oui. Ah, mais le journaliste qui avait couvert ça, puis qui avait dit que ce serait peut-être les services secrets de Poutine qui avaient fait ces attentats-là, ça, on a les preuves documentées qu'il a été empoisonné au polonium. Là. Ils ont mis du truc radioactif dans son thé. C'est débile que tu y penses. Là. Le gars, il était je pense qu'il était au Royaume-Uni. Oui. Puis c'est pas la première fois qu'il empoisonne au polonium. Là. Il y a eu le chef de l'opposition il y a une couple d'années qui a été obligé de se sauver. Moi, ce que je te parle, c'est il y a 20 ans. Là. C'est le premier qui a été documenté. Ouais. Après ça, t'as eu le il y en avait un, c'était un genre de avec un parapluie. Ouais, ça c'est le parapluie bulgare, ça. Mais ça, c'est au cours de la guerre froide, par contre. Ouais, mais...
Ce que tu nous montres, c'est que c'est une longue tradition d'empoisonner ses adversaires politiques. Tu sais, Poutine n'a rien inventé de nouveau. Non, ben non. Le meilleur assassinat politique, je trouve, c'est Rasputin en 1916. Là. Ils ont arraché les couilles puis ils ont fait manger. Hein. Il n'était pas tuable. Je pense qu'ils ont mis du poison dans son repas. Ils se sont rendus compte pendant le souper que le poison ne faisait pas effet. Donc là, ils sont mis à le stabber avec les couteaux de cuisine qui étaient sur la table. Il se défendait trop. Là, ils l'ont tiré dans la tête. Là, il est tombé à terre, il bougeait plus. Il dit « Ah, ça y est, on l'a eu. » Là, ils l'ont roulé dans le tapis. Il y avait comme un genre de grand tapis. Ils l'ont roulé dans le tapis. Là, il s'est mis à grouiller. On va-tu avoir du dessert quand même? Là, ils l'ont pitché dans la rivière. C'était l'hiver, là. Ils l'ont pitché dans la rivière Fret. Puis là, pendant des années, il y a eu des théories de conspiration que même ça, il avait survécu. Et qu'il était toujours en vie. Sacré personnage, ça, Rasputin. On pourrait faire. On va faire un spécial à un moment donné là-dessus. À ce moment-ci, les gens disent ça prend plus de Jason, ça prend plus de Stéphane. Je me sens encore une fois honoré de votre présence sur le Merconspi, l'addendum et le reste. Messieurs, vous avez amplement rempli la mission ce soir. Fut un excellent Jason Selected. Je veux que vous alliez revaquer à vos habitudes ou à votre planning, agenda et le reste de la manière la plus heureuse possible. Je pense que le pire, hein, quand même, Stéphane, le pire de la guerre nucléaire, on n'est pas en train de le vivre, on l'a vécu. Le pire de la guerre nucléaire? C'est-à-dire, tu parles avec la situation actuelle? Genre. Là, on est en DEFCON 3, je pense que tantôt, quelqu'un a dit dans le chat. On sait pas, j'ai dit on sait pas, on est en DEFCON 3. Non, mais il y a quelqu'un qui a mis un lien tantôt dans le chat. Puis, jusqu'à date, en tout cas, la situation est pas très différente de ce qu'on a vu dans le cas de d'autres guerres, comme la guerre du Vietnam ou la guerre en Afghanistan des Soviétiques, des choses comme ça, où visiblement, les grandes puissances sont encore capables de se contrôler puis pas perdre le contrôle, mais bon, on n'est jamais... jamais à l'abri. C'est pour ça qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent dans toute cette histoire. Oui, effectivement. À quel point Poutine a le contrôle de ce qui se passe du côté de la Russie? Ben, c'est ça le grand débat. Hein? Okay. Ils ont sorti une autre vidéo aujourd'hui. Ça aurait sûrement passé si j'avais fait un épisode normal. Là, où ce qu'il est en train de discuter avec son secrétaire de la Défense, là, c'était ce matin. Puis ça l'a fait beaucoup jaser le monde à propos de sa santé, parce que dans le vidéo, il a l'air très affaibli. Puis il se pogne après la table. Tu sais, OK. On a écouté la semaine passée. Il a analysé 50 fois, puis il y a plein de théories. Il y aurait un cancer de la thyroïde, selon ce qu'on a vu. Il y aurait le Parkinson, selon certains analystes. Mais c'est difficile à prouver, tu sais. Mais c'est en se basant sur cette vidéo-là et plusieurs autres avant. Ben oui. Ça fait des années que cette rumeur-là court, mais cette vidéo-là, tu vois que dans la vidéo qu'il n'a pas l'air bien. Mais je pense que n'importe quel chef d'État, dans sa situation, aurait l'air de ça. Sa situation ne va pas comme il veut, là, vraiment là, pas comme il veut. C'est stressante, là. Imagine être dans la peau de Poutine, où ce que il pensait prendre l'Ukraine en deux jours, puis là... Ça fait deux mois. Son empire est en train de craquer. Là. Puis il sait que s'il avoue la défaite, dans l'histoire de la Russie, les tsars qui avouent la défaite, ils finissent trucidés. Tu sais. C'est quoi? C'est une particularité russe? Ou une particularité... C'est ça, les pouvoirs autoritaires. C'est comme un clan de gobelins. Là. Tous les dictateurs, regarde Assad en Syrie, la raison pourquoi il s'est accroché au pouvoir, c'est qu'il savait que la journée qu'il n'était plus aux commandes de l'armée, ben il y a tellement de gens qui veulent te tuer. Ouais. Pas de place pour te tuer. T'as les appuis que t'as tant aussi longtemps que tu amènes à ces gens-là ce qu'ils veulent. Tant que tu amènes des victoires, tant que tu amènes que ce soit de la fierté, que ce soit de la richesse, soit des choses comme ça, ben tu vas avoir leur appui. Si le jour où tu commences à manquer de cette ressource-là qui te permet d'avoir des appuis, ben c'est comme si c'était la victoire pour Poutine, parce que Poutine s'est largement peint lui-même dans un coin en disant que ça devient maintenant que le Donbass c'était non négociable, puis que tu sais les deux républiques du Donbass, il fallait absolument les prendre. C'est mis dans une situation lui-même, il a mis des enjeux. Encore plus après 2014, quand ils ont pris la Crimée, puis qu'il y a eu comme moins de. Hey, non, mais c'est de ça qu'il parle. C'est qu'en 2014,
Tu sais, ça allait bien au début, puis il s'est basé là-dessus. C'est qu'en 2014, il a occupé la Crimée, ça s'est super bien passé, ça a été fait en dedans d'un mois. Et les bouts du Donbass qui a gratouillé, là. Et l'armée ukrainienne à l'époque était très désorganisée. Comme les États-Unis et le Canada n'avaient pas encore commencé à s'en mêler, pis ça. Okay. Les Ukrainiens ont eu vraiment beaucoup de la misère. Puis la plupart des analystes entendent que Poutine, le problème, c'est qu'on dirait qu'il n'a pas catché que 8 ans plus tard, en 2022, l'Ukraine est complètement différente de ce qu'elle était en 2014. Et il pensait son opération spéciale, hein, parce qu'ils disent pas une guerre, ils disent une opération spéciale. Oui, oui, oui. Pour ça qu'il a envoyé, je l'ai montré dans les autres shows, là, quand il a envoyé l'armée à l'ouest de Kiev, il était convaincu qu'il allait renverser le gouvernement puis que ça allait être fini. Deux jours. Fait que ça va finir quand, ça? C'est... Pourquoi? En plus, aussi, Poutine était sans doute, ce qu'il a dû achever de convaincre Poutine, c'est la débandade de l'OTAN en Afghanistan. C'est qu'il peut donner l'impression... Ouais, ça montre que l'Occident est comme pas prêt et est en train de dégénérer. C'est peut-être du confort. Il y a val leur propre propagande aussi, parce que tu regardes la propagande à la télé russe, puis c'est la même chose qu'il y a à Fox News. Là. C'est la dégénérescence de l'Occident. Ouais. Notamment, là, ils vont dire c'est à cause des LGBT, les woke, les ci, les ça. Est-ce que c'est dégueulasse? On n'est plus des gens capables de faire la guerre. Non, on est plus. T'as ça qui roule continuellement. Fait que j'imagine, à un moment donné, peut-être qu'ils ont... Ils ont avalé leur propre Kool-Aid. Là, t'as souvent cette façon-là, tu sais, comme... Tu vends de la drogue, faut pas que tu consommes ton produit. Là. Fait que c'est-tu comme une espèce de déclin de l'empire russo-soviétique? C'est... Parce que c'est un déclin déjà amorcé depuis longtemps. On le voit maintenant, je veux dire, on a eu peut-être un regain, une espèce de bouffée mais ce qu'on, de puissance ou apparente ou réelle, je sais pas. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que cette puissance-là, elle est fragile. T'sais. C'est vrai que la Russie et l'Union soviétique, historiquement, sont quand même... ont parfois des ressources, ils peuvent utiliser des ressources absolument extraordinaires quand ils sont attaqués. Ouais. Mais quand eux sont les agresseurs, ça vire souvent mal, en fait. Ils sont pas très bons pour ça. Okay. Et aussi, c'est fort possible que l'Ukraine s'ajoute à la liste qui s'allonge d'États comme le Vietnam, comme l'Afghanistan, comme des États qui ont réussi à défaire... La Tchétchénie, en fait, a dû capituler, là. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que ça résister. Devient des zones de guerre permanentes. Oui. Et pour les Russes, c'est-à-dire, ça devient... Ça consomme leurs ressources très rapidement. Non, je dirais pas que les Ukrainiens vont emporter une grande victoire, mais les Russes vont s'user, je pense, d'une manière qui va devenir inacceptable. Là, ce qu'on va voir maintenant dans la nouvelle partie de la guerre qui s'ouvre, c'est est-ce que les Russes ont tiré des leçons et ont corrigé certains des problèmes, comme notamment des problèmes de logistique. Est-ce qu'ils ont réussi à corriger ces problèmes-là? Mais d'un autre côté, les Ukrainiens, à chaque jour, reçoivent du matériel, reçoivent des renseignements, ils s'organisent de plus en plus. Donc, je pense que l'OTAN joue plus pour l'OTAN et l'OTAN jouent plus. Ouais, oui, j'avais spoté le calembourdin de prof Steph. Si t'es capoté. Écoutez, messieurs, moi je veux qu'on continue vers autre chose. C'est passionnant. Le concept de vous recevoir pour peut-être prendre des questions ou le reste, c'est quelque chose, faire un podcast, évoluer de journée en journée. On verra. Je dis non à rien. Je me sens tout le temps privilégié de parler avec les deux humains avec qui je suis en train de parler. Je veux poser une dernière question. C'est très technique que Sigalfou demande. Quand vous préparez vos chroniques, Jason, ben Steph, il prépare pas grand-chose. Là. Lui, il l'a déjà préparé. Hein. C'est une carrière au complet. Ouais. Aujourd'hui, je faisais du bandwagoning sur le dos de Jason. C'est Jason qui a tout fait. Moi, je profitais de la ride, là, mettons. T'as amené ton sachoir. Jason, ça te prend combien de temps à préparer ta chronique à chaque semaine? Ben, c'est pas... Moi, ce que je fais, c'est que c'est dans le fond, c'est ma consommation de médias. Toi, on commence demain matin. Là. Et à mesure que j'apprends des affaires, je le note sur mon téléphone. Tu sais, les vidéos qu'on regarde, puis les screenshots, puis ces choses-là. Ça fait que tu le fais tout le temps. T'es tout le temps en train de le faire un petit peu, puis à un moment donné, Ouais, mais je le fais pas en pensant au show de jeudi. C'est juste que je suis comme, ah, tiens, je le note.
À un moment donné, j'ai eu l'idée de « Ah, ben, regarde, je vais comme faire de quoi avec ça. » Puis c'est comme ça qu'on a commencé à faire ça. C'est simplement que le mercredi soir, je regarde ce que j'ai noté. Puis j'enlève. Ça me prend à peu près une heure. Là, là je fais un genre le montage vidéo. Là, ce que Tommy reçoit, c'est un vidéo. À la fois qu'il y a toutes les photos une en arrière de l'autre. Là. Je décide qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Puis je fais un choix avec ça. C'est comment je peux dire ça? Ça a l'air niaiseux. Là, mais c'est moins de temps que vous pensez que ça me prend à faire. Ben, c'est que tu fais ça parce que t'aimes ça aussi, je te dirais. Mais c'est probablement quand même beaucoup de temps parce que je suis constamment en train de lire sur le sujet. Là. Jason, merci beaucoup. Merci de m'avoir eu avec vous autres. Salut aux amis dans le chat. Salut à Forfaden et à tous les autres copains que je vois passer. Là. Toujours un plaisir d'être ici. L'enfant des tubains, on se revoit mercredi tunnels, prochain. Ouais, en fait, je souhaite des bons impôts d'ailleurs, je suis sûr. Wow. Fait que Jason, Stéphane, j'espère que vous allez bien dormir. On continue. Moi, il me reste encore 2 heures et demie de playlist.